Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, c'est que vos proches. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire. Bonjour Gastro, tu vas bien? Depuis ouais, hier matin. Bah écoutez, aujourd'hui, donc je vous propose en fait de faire. Bon, ça va être un menu qui est plutôt simple. Bonjour Bigfoot. Bon, toujours fidèle au poste, merci. Merci, merci. Merci à tous les deux. Donc on va partir donc sur un menu japonais. Donc on va faire. Donc là j'ai marqué bonjour Doom. Ça va? Donc j'ai vu un petit peu de Discord hier. Voilà, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Donc je vous ai répondu un petit peu rapido hier. Lol, mais à chaque fois elle se marque. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est le stress du début, tu sais, quand je suis en direct. Donc du coup, donc on part sur un menu japonais. Donc on va faire. En fait, j'ai marqué juste la liste pour les California Rolls. Bon, on va faire les trois en fait. On va faire sushi parce qu'en fait c'est exactement les mêmes ingrédients. On va faire sushi, maki et California. Et ça, Doom, je crois que toi tu connais, hein. Et après, donc on fera un petit dessert. Donc du stress, voyons ça entre nous. Moi, je sais. Et donc ensuite, en fait, on. T'es gentil, merci. On fera un petit dessert avec des fraises, il y aura du skyr, donc toujours, vous savez, hein, recherche de protéines. Donc la protéine, on l'aura avec notre skyr, et puis il y aura de la poudre d'amande aussi. Voilà, donc on fera un petit crumble. Enfin voilà, ce sera plutôt un dessert frais, il y aura juste la cuisson du crumble. Voilà, en fait, on a deux cuissons aujourd'hui, la cuisson du riz et du crumble. Sinon, tout le reste, c'est frais, c'est fresh. Voilà, donc on est parti. Donc comme vous savez, je ne connais pas du tout ma plaque. Donc les quantités, donc là pour à coup sûr ça réussit à chaque fois en fait la cuisson du riz. Nous sommes entre gens convenables. Ouais. Oui, bien sûr. Bah oui, effectivement, oui. Donc on va partir sur 230 grammes de riz blanc, de riz japonais, pardon, et 360 grammes d'eau. Donc ça c'est vraiment la quantité que j'ai toujours faite. Donc avec mes plaques que je connais. Mais celle-ci, je connais pas, on va essayer. Et c'est ça que. Et en fait, j'ai appris donc la cuisson vraiment du riz quand j'étais au Japon. Du coup, ça a réussi à chaque fois, c'est juste trop bien. Ah ouais! Mais j'y ai pensé à Strike, j'ai pas osé lui dire. J'ai pas osé le dire parce que sinon, le pauvre. Tu veux dire quoi, Mandela? Tu m'étonnes. Voilà, donc alors, donc on part pour la peser. Donc vous devez absolument avoir du riz japonais du coup, donc celui-ci ne fait pas partie des meilleurs riz, hein, mais bon, voilà, enfin voilà. Moi à chaque fois on dit que en fait, les riz healthy, ça à base de complet, etc. Mais bon, ça reste du riz, hein, une fois de temps en temps, c'est bien. Et en plus, il y a 6 grammes de protéines, donc c'est déjà pas mal. Donc la première étape en fait, donc pour réussir son riz, il faut d'abord le nettoyer. Donc on va le nettoyer 3 fois. En fait, on va retirer toute la... Vous avez, en fait, l'eau, il faut qu'elle devienne un maximum claire pour que votre riz, en fait, il soit réussi à la cuisson. Donc on peut, normalement il y a toute une procédure, laisser reposer le riz pendant une demi-heure, etc. Donc là on va pas le faire et ça marche quand même. Voilà. Du coup alors on passe sur nos 230 grammes. Et les 230 grammes en fait c'est hyper pratique, ça correspond exactement si vous voulez faire 4 rouleaux, 4 grands rouleaux et ça vous fait à peu près 32 pièces. Donc voilà, donc ça c'est sympa à savoir. Donc la peser, sinon on va pas mettre ça là-dedans. On va mettre ça plutôt dans un bol. Bon, je m'en arrête, hein, au cas où mes cheveux me gonflent. Comment ils s'appellent les petits desserts japonais, tu sais, que tu manges, que t'as mis en photo hier, Doom, c'était. Attends, c'était quoi? C'était des. Comment on appelle ça? Ouais, des mochis, je crois. C'est bah, ouais, c'est hyper bon. Alors, ce que j'ai préféré, c'est la bouteille de vin. Alors, on est parti pour 230. Non, qu'est-ce que je crois? C'est 260. Ouais, c'est 270 parce que je divise en deux, ça fait 100. Ouais, 270, pardon. Je sais pas si j'ai écrit 230 ou 270. Alors 270, ok. Donc là maintenant, donc avec ton petit riz, donc bonjour Zéphore, tu vas bien?
Semaine du boulot, ça va, ça a aidé? Hello? Donc on rince à l'eau blanche. Donc là, ouais, là j'ai pas de double caméra, donc vous ne pourrez pas voir. Mais du coup, ouais, donc on rince une première fois. Donc on mélange bien le riz. Donc là, il y a tout l'amidon qui sort. Et l'eau, en fait, elle est vraiment blanche, blanche, blanche. Et le but, c'est qu'elle devienne transparente. Voilà, c'est ça le joueur. On est en négociation pour la prime. Pour la prime. Ah, c'est cool! Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Voilà, donc on rince une première fois bien. Après, si vous avez le temps, en fait, vous pouvez mettre le riz donc une première fois dans une bassine avec de l'eau et vous laissez, en fait. Là, il y a pas mal d'amidon qui va sortir et vous répétez l'opération toutes les 10-15 minutes, mais bon, il faut avoir le temps, quoi. Donc, rincez une première fois, on recommence une deuxième. Et du coup, t'as bronzé un petit peu ou pas? Zéphore, ouais, t'as bronzé ou pas? Avec, je sais pas si t'as eu beau temps. Voilà, donc là on a rincé une deuxième fois. Et en plus, vous voyez au grain de riz, en fait, le grain de riz devient de plus en plus transparent. Donc là, on sait que ça commence à jeter. Ouais, soleil encore cette semaine. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Hein. Trop bien. Et après, j'essaye de trouver des créneaux à une petite demi-heure pour continuer à entretenir le bronzage. Mais c'est cool de bosser quand il y a de bonnes conditions. Voilà, du coup, là, je rince une troisième fois. Là, je regarde comment nous deviennent transparentes. Ici, on est bon. Ok. Donc, mélangez bien tous les grains. Enfin, si vous refaites en. Soleil et encore cette semaine. Semaine d'après, c'est pluie. Ouais. Bon, ouais. Bon, moi, je me dis, allez, on a quand même eu franchement sacré beau temps là depuis 2-3 semaines. Donc, c'est vraiment cool. Ok, donc là on est bon, je vais mettre mon riz ici. Ensuite on va mettre les 360 grammes d'eau. Attendez, parce que en fait j'ai pas ma recette avec moi, mais 270 et 360 divisé en 2 ça fait 180. Oui, donc 360 grammes d'eau. Et donc le riz en fait il doit cuire à couvert. Et il faut surtout pas ouvrir pendant la cuisson. Voilà, donc attendez, on part sur, j'ai dit 360. Voilà, c'est le dimanche matin. En tout cas, ça va, je suis mieux réveillée que le dimanche dernier. Le dimanche dernier, c'était compliqué. Là, ça va. Ok, donc 360. Donc, on va couvrir. Donc, normalement, c'est 12 minutes. Alors, si vous avez des plaques qui vont jusqu'à 10, donc normalement, c'est 12 minutes sur plaque numéro 6. En fait, vous posez la casserole et vous allumez sur 6 pendant 12 minutes. Et après, on redescend donc à 3. À 3 pendant 7 minutes à peu près. Alors le truc c'est que moi mes plaques elles vont là ça va jusqu'à 6. Bon 5 je pense que je sais que c'est trop fort je pense. Donc je vais laisser, je vais mettre à 4 et après je descendrai à 2. On verra au niveau de la cuisson. Donc à couvert. Et là il faut surtout chronométrer parce que sinon votre riz peut directement. Bah après il sera trop cuit. Hein. Donc parfois on a dans les restaurants c'est trop cuit et tout, c'est pas bon. Là il reste juste pile poil comme il faut. 12 horloges. Ouais, ça va faire du bien aux plantes. Tu sais que bah là, j'ai acheté des graines. J'aimerais bien planter. J'ai acheté des carottes, poireaux. Et là, je suis en train de me renseigner, tu sais, sur la terre. Parce qu'en fait, j'ai une partie du jardin où j'ai en fait que des trucs sauvages qui poussent. Je sais pas si tu pourras m'aider ou tu pourras peut-être me répondre. Il y a d'un côté du jardin, en fait, il y a plein de marguerites, des choses comme ça. Et de l'autre côté, en fait, j'ai plus de la ciboulette sauvage, enfin, des choses comme ça. J'ai découvert ça. Et du coup, est-ce que c'est mieux que je plante où est-ce qu'il y a les marguerites? Parce que je crois que ça veut dire qu'il y a un truc, il n'y a pas de calcaire dans le sol ou je sais plus c'est quoi. Ou est-ce que c'est mieux que je plante où il y a la ciboulette sauvage? Je suis désolée. Peut-être que tu sais pas, hein, mais je vais continuer à regarder sur internet. Et ouais, j'aimerais bien commencer mes plantations là. J'ai pas encore trouvé le temps. Donc du coup, on est parti pour 4 à 12 minutes. Orange.
12 minutes. Alors c'est parti, donc là j'allume. En fait, vous mettez le chrono en même temps que vous allumez et vous courez. Donc moi je cours avec une assiette. J'espère qu'il fait la bonne taille. Parfait. Et on n'ouvre pas. Bon, généralement ça déborde, hein, c'est normal. Très bien, donc pendant la cuisson du riz, on va couper les autres ingrédients. Donc là, la coupe du saumon. Alors on va commencer par avocat. Donc on va se faire une assiette, en fait, on va tout préparer. Donc j'ai pris avocat, concombre et saumon. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Le saumon, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre... Il y en a qui aiment bien les surimi. Bon, c'est pas très conseillé, hein, parce que c'est une mixture de choses qui sont pas très... Voilà. Ensuite, vous pouvez faire aussi du kiri. Je sais pas, quand vous commandez chez japonais, vous savez, il y a un saumon en fait qui est enrobé avec du blanc autour. Donc c'est du kiri avec du saumon, donc vous pouvez faire ça. Enfin voilà, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire que des trucs concombres. Enfin voilà, pour les viti, bah, je suis sûre que, que vous êtes ravis. très bien. Allez, du coup, je prends mon saumon, mon petit concombre. Alors, concombre et saumon. Une planche. Donc là, du coup, il faut quand même un bon couteau aiguisé. Donc, je vais couper juste des tranches en longueur là pour faire nos makis et nos californiens. Et en fait, je vais garder le gros pavé. Donc, si vous voulez faire des sushis, gardez plutôt les gros pavés, comme ça en fait vous allez avoir des beaux morceaux à poser sur le sushi. S'ils sont trop fins, en fait vous réussirez pas à faire des beaux sushis. Donc prenez vraiment des pavés épais. Je te dirai, ciboulette, la pâquerette pousse pas. D'accord, ok. Donc la pâquerette. En fait, moi ce que j'ai été étonnée, c'est dans le jardin, j'ai un côté des pâquerettes et de l'autre, aucune. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose et tout. Ok, ça marche. D'accord. Et ouais, bon bah écoute, très bien, bah nickel, très bien, ça me va. Donc découpe du saumon, allez go. Du coup j'ai celui-ci, ouais celui-ci coupe hyper bien. Donc en fait je vais garder celui-là pour les sushis, en fait je vais juste en faire quelques-uns. Parce que le riz en fait ça fait beaucoup grossir. Donc quand même on va déjà faire 230 grammes. Ça va faire presque 400 grammes cuit, donc ça fait presque 1000 calories. Donc voilà, donc on va se calmer. Donc on va faire 4 sushis juste pour que vous ayez l'assiette, pour que ce soit joli. Et on fera un californien et un makis. Toujours, bon voilà, toujours, c'est toujours une question de quantité. Donc je n'ai pas la technique pour enlever la peau par en dessous, hein. Donc du coup je fais ça par le dessus et ça marche très bien. Ouais. Truc con, ma grand-mère a beau tout faire chez elle, la ciboulette ne pousse pas chez moi. Elle. Ah ouais? Mais moi, tu sais, c'est pas la ciboulette en fait que tu trouves dans le commerce. Et, je sais pas, moi, c'est la ciboulette sauvage en fait qui était dans le jardin. Et du coup, en fait, j'ai été choquée parce que j'ai jamais vu ça. Non, mais il faut savoir que voilà, ça fait presque un mois que je suis arrivée ici. Il y a plein de trucs qui poussent à chaque fois. Je me dis, waouh, un nouveau truc. Donc, du coup, j'ai du persil frais. J'ai vu qu'il y avait de la menthe. Et la ciboulette fraîche, du coup. Et du coup, elle, ouais, elle pousse et. Ouais, j'en ai pas. Ouais, non, je n'ai pas pris, il faudrait que je me prenne. D'accord, donc ça dépend vraiment des jardins. Donc du coup, là, j'ai pas de double caméra. En fait, vous prenez juste votre pavé et vous coupez en biais. Et donc là, ça va vous faire une belle tranche de sushi. Donc je vais couper tout le saumon en tranches comme ça. Donc on fera une partie sushi, une partie sashimi, en fait. C'est juste du jambon cru. Donc là, enfin, donc du coup, voilà. Si on veut pas trop grossir, on peut faire que des sashimi crus dans la sauce soja, c'est juste trop bon. Voilà, sinon quoi d'autre? Point nutrition au niveau du saumon. Donc le saumon est un poisson qui est gras. Ouais, j'ai des fraises pour le dessert. Non, c'est pas sauvage, du coup je les ai achetées. Ouais, je les ai achetées. Les petites là, celles qui viennent de sortir, je crois que c'est les gariguettes ou je sais plus trop quoi. Et donc du coup c'est, bon, c'est un poisson qui est gras. Donc à pas manger tous les jours, mais une fois par semaine en fait vous faites votre plein d'oméga 3 pour votre corps. Donc voilà, une fois par semaine c'est pas mal de manger un petit pavé de saumon. Et comparé aux autres poissons en fait, les poissons blancs qui sont vraiment, bon là en fait ils se défait un peu, on va faire attention. Voilà, les autres poissons blancs en fait c'est pas du tout calorique. Là pour 100 grammes vous avez à peu près 250 calories, alors que les autres poissons pour 100 grammes vous avez 100 calories quoi. Donc ouais, les poissons blancs, c'est, si on veut faire attention, c'est mieux.
Ah, avec le wakame. Ah ouais, le wakame, je kiffe ça. Mais du coup, ouais, tiens, j'en ai même pas trouvé. C'est trop bon, wakame. J'adore. Et bah là, du coup, t'es sûr de pas grossir, hein, franchement. Ce que j'ai qui pousse, en fait, j'ai donc la menthe, j'ai du persil, j'ai du thym, la ciboulette sauvage. Et après, tu sais, c'est au niveau des fleurs et toute la floraison. Donc, je savais pas que j'avais du muguet. Donc, j'ai vu qu'il y avait des petites clochettes là dans le jardin. Pareil, en fait, là, il y a des fleurs qui sont en train de sortir. Mais en fait, je m'y connais pas. Donc, du coup, il faudrait que. Ah, je n'ai pas marqué le riz vinaigré. T'as raison sur la liste. Hein. Mais il est derrière. Il est derrière. J'ai pas oublié. ouais, et puis après, c'est au niveau des différentes fleurs qui poussent et tout. Donc, à chaque fois, c'est surprise, tu sais. Enfin, tous les jours, j'ai un petit paysage différent. C'est trop bien. Voilà, donc du coup quand on arrive à la fin, en fait si vous avez un pavé où vous avez la partie qui est pas très épaisse, en fait vous essayez de prendre le couteau et bah, vous poussez vers le bas et comme ça vous récupérez en fait du saumon. Hop. Donc ça sera plus, vu que c'est plus fin, ça sera plus ça finit. Voilà, c'est vraiment très fin à la fin. Mais après c'est la meilleure partie parce qu'il y a du grain et tout. Voilà. Du coup, ça va me servir pour les sushis et sashimi. Et l'autre, bah, je vais commencer par des sashimi et après je vais terminer en longueur pour mettre dans le. J'attends que mon beau-père me ramène le motoku. Ah, bah ouais. Donc t'as un jardin qui est plutôt grand alors. Ouais, ouais, exactement. Bah ouais, pour le jardin, je suis contente. Hein. Franchement, je suis hyper contente. Et j'ai même découvert, j'avais un cerisier et trois mini cerisiers. Et il y a un autre plant en fait, je sais pas si c'est des framboises ou des cassis. Voilà, donc il y a un plant en fait qui est comme ça. Et puis les feuilles, bizarrement, ça ressemble à des framboises. Donc je me dis, peut-être que je vais avoir des framboises. On va voir. Ah, si ma peau est propre. Donc du coup, il faut que je la gratte. Je pense pas qu'elle est propre, tu sais, je l'ai pris en pavé bah, chez le poissonnier, mais j'ai pas demandé à gratter en fait. Faut que je vois s'il y a des écailles, c'est ça, t'as raison. Mais chips, tu sais que ça veut dire. ça veut dire grain. ça veut dire que je vais devoir faire dans le grain. Ou sinon, bah non, chips au four. 15 mètres carrés à peu près. 15 mètres carrés. Ouais, ça va. Bon, ouais, c'est plutôt sympa. Je m'en rends pas compte en fait. Ouais, au four, bah, c'est ce que je vais faire. Donc, du coup, je vais enlever tout ce qu'il y a là et je vais mettre dans la petite gamelle de bébé. Là, du coup, ouais, ça c'est le bébé qui va récupérer. Et oui, je vais mettre au four. Tu penses bien fort en fait, 200? Je mets à 200. Et derrière, je vais regarder, mais je crois qu'il n'y a pas d'écaille en fait. Alors, donc là, c'est bon. Là, j'arrive à tout enlever. Parfait. Donc ça, c'est bébé. Il va être content. Il kiffe le saumon. Ouais, il n'y a pas d'écaille, il est bien nettoyé. Ouais, nickel. Ok, donc du coup je vais allumer mon four et en même temps il sera prêt pour tout à l'heure. Ouais, pour griller, ouais, côté, ouais, je vais mettre bien, bien fort. Sick pour reconnaître les plantes. Ok, bah écoute, je vais le faire tout de suite parce que je suis juste une galérienne de galérienne. Même les arbres, tu vois, c'est dommage, enfin, j'en vois plein et tout, je sais pas ce que c'est. La fille qui est nulle, quoi. Parce qu'en fait c'est tout nouveau, c'est la première saison en fait de printemps que voilà, je suis ici donc alors attends, donc je vais aller regarder Play Store. Alors tu m'as dit c'est sick. Ok. Ah il y a même pour les papillons. Ok, bah écoute, c'est en cours de téléchargement. Donc je vous dirai plus précisément les différents arbres et plantes qu'il y a dans mon jardin. Il y avait des tulipes, il y a une rouge que j'ai pris en photo.
Mais je sais pas comment ça s'appelle. Enfin voilà, oui, la fille qui est nulle quoi. Ok, donc ça, du coup, c'est pour bébé. On va mettre ça dans un petit bol parce que je vais pas tout lui donner en même temps. Sinon, il va tout bouffer en même temps. Il va faire un petit peu trop de gras d'un coup. Donc l'autre bébé, ouais, je pars. Donc je garde ma chips. Voilà, donc je pars au début juste pour faire récupérer. Comme les maquis californiens, en fait, on va en faire deux ou trois. Je vais juste en garder dans la longueur. Bon, je suis désolée s'il y en a qui sont des artistes de la découpe du poisson. J'ai l'impression de le trucider. Bah, il faut juste enlever la peau en dessous, mais bon, sinon, voilà. Vous savez, feignasse number one. Ça m'empêche pas d'avoir des trucs sympas. Voilà, donc ça, c'est ce qui ira dans le californien et dans le maquis. Après, il reste des petits bouts, on pourra les rajouter. Je vais peut-être refaire encore. Il y a des beaux pavés là. Ouais, elle fait tout. Bah ouais, nickel. Et attends, c'est quoi que j'ai vu? J'ai vu. Donc j'ai vu. Bah j'ai vu bah, les papillons, ça oui. Donc il y en avait un qui n'était pas du tout caché. Hein. Il était tout blanc et tout. Lui, pour se fondre dans le verre. Le pauvre quoi. Ouais, sinon après, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu? Bah les oiseaux, tu sais, il y a des petits oiseaux aussi qui viennent dans le jardin. Mais c'est vrai que je ne sais pas ce que c'est. Mésange, j'ai reconnu. Mais écoute, hein, nickel avec l'application. Merci. Donc là, c'est 12 minutes et on va redescendre le feu. Donc je vais le descendre à 2. Et on est parti pour 7 minutes. J'espère que ça va marcher. Voilà, 7 minutes. Ça n'a pas débordé. D'habitude, mon indication, je sais que c'est bien en cuisson quand ça a débordé. Là, ça n'a pas débordé. Bon alors, donc vous avez vu cet après-midi, donc il y a Edouard Philippe qui va parler à 17h30. Bon, toi, c'est fort, t'as repris le boulot. Mais après, moi, j'aimerais bien que ça se précise pour nous. C'est bon, je suis prête pour demain. Je suis prête pour ma rentrée. J'ai fait mes devoirs. Ok, donc là, on est sur le saumon, on est bon. Donc après, le saumon, vous pouvez faire plein de choses avec, hein. Tartare, un petit tartare avec de l'avocat. S'il vous reste des petits bouts. Hein. Donc on est bon. Je vais récupérer la chips. Bon là ça commence à déborder donc c'est peut-être bon signe, c'est bon. Et là du coup j'ai l'impression qu'il y a plein d'écailles. Donc attendez, je vais regarder. Ah ouais, comment on balance là? De quoi? Au final, je crois que. Ah bah ouais. Donc attendez, je vais quand même regarder dans l'autre. Parce que du coup j'ai passé mon doigt, mais. Non, celle-ci elle est propre en fait. Ok, celle-ci elle est propre, c'est bon. Bah là je vais écailler, je vais enlever les écailles. Ouais, moi c'est juste pour savoir en fait si, s'ils ont décidé quelque chose, tu sais, vis-à-vis des enseignants, mais c'est vrai que je suis un peu comme toi. Et j'ai arrêté là, les infos, ça fait un moment. À chaque fois, bah, j'essaie d'écouter, tu sais, le point 19h30 là de. Enfin, de. Non, c'est pas Véran. Je sais plus c'est qui. Le responsable de la santé, après j'ai arrêté, c'est bon. J'ai dit ok, toujours des morts, des statistiques, hop. C'est pas forcément bon pour le moral. Voilà, du coup, hop, on va avoir nos deux chips. Je vais la nettoyer. Un poké avec saumon mariné. Ah, Doom, à chaque fois, tu me sors des trucs. T'as raison.
Grave. Un poké, ouais. Les pokés, c'est trop bon. Trop trop bon. De toute façon, ici, c'est moi le roi. Tu m'étonnes. Donc, ouais, tu as raison, c'est toi le roi, c'est toi qui décides. Bah ouais, donc c'est plus sympa d'être ici, hein, je suis d'accord. Et de regarder en fait ici. Très bien, alors je vais remettre ça au frais le temps que notre riz il cuise. Et en fait, on n'a pas fini de couper le concombre et l'avocat. Mais il faut qu'on prépare le riz vinaigré en fait, c'est ce qui va venir. Comme le riz va bientôt être cuit, il va falloir aérer. Donc normalement, il faut faire une espèce d'éventail en fait pour aérer le riz et tout, pour qu'il devienne. Voilà, donc il y a tout un petit truc. On fera pas tout ça, je vous dis. J'ai pas tout, donc on fera pas tout ça. Donc ça c'est pour bébé. Bébé, je vais le mettre aussi au frigo. Alors pour préparer, donc là pour à peu près la quantité qu'on a, donc en fait vous prenez un verre, vous mettez l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Hop. Bah vous trouvez facilement chez Carrefour, n'importe où, Auchan, qu'est-ce que j'ai fait encore, Leclerc, ce que vous voulez. Vous trouvez au supermarché, Carrefour Market, voilà. J'ai cité toutes les marques, c'est bon. Voilà, donc 3 cuillères à soupe, c'est ça qui va venir que notre riz en fait il va coller. Et bah, c'est surtout, en fait, on va rajouter une demi-cuillère à café de sucre. Et normalement il faut une cuillère à café de sel, mais voilà, vous me connaissez, donc ça sera juste un tout petit peu de sel. Et après, il faut tourner, tourner, tourner jusqu'à temps que tous le sucre et le sel soient dilués dans la sauce, dans le riz vinaigré. Alors, donc 1, 2, voilà, 3. Du coup, là, c'est du sucre normal. Du sucre qui est raffiné, ouais, c'est ça, on dit. Donc moi je fais voilà à peu près à l'ail, demi-cuillère, et ensuite bah, vous mettez un petit peu de sel, on va mettre voilà, vraiment un petit peu, je voudrais du. Hop, et c'est parti. Donc on mélange et attention, on va mélanger pendant longtemps. Mirin, tu mets? Alors mirin, j'ai pas du tout. Mirin et saké, en fait, tu sais, j'ai pas. Là j'ai pris vinaigre de riz. Et j'ai vu ta recette, du coup, j'ai vu ta recette, mais je sais pas, je suis nulle avec Discord. J'arrive pas à répondre à chacune de vos publications. Enfin, je sais pas, j'ai essayé. J'ai pu faire que des émoticônes. J'ai écrit quelque chose parce que c'était la fin de la conversation. Mais voilà, bon, voilà, je suis archi nulle. Je suis nulle. Je vais re-regarder. Et donc, du coup, ouais, merci pour la sauce teriyaki. Voilà, du coup, en fait, on mélange jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grains. Normalement, non, mais j'aime bien quelques fois. D'accord, bah écoute, bah, je testerai. Franchement, bah oui. Je prends toutes les avis. Tous les avis. Ok, donc on y va, je vais mettre la chips au four. Papier sulfure. C'est pas là. C'est là. Non. C'est pas là, je suis sûre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Oui. Donc à 200, donc là je mets à 200 et on va mettre une petite chips. Ah, bah pile poil, le riz est prêt. Yes! Bah, il est prêt. On va regarder. Je vais juste légèrement le lever parce que si tu vois que c'est pas du tout cuit, on sera obligé de continuer. Bon, tant pis, j'aurai un riz qui sera pourri. Non, c'est bon. Ok. Bah, je vais vous montrer, donc il me faut ça. Ok,
Voilà, donc là le riz, donc là, bah écoutez, il est plutôt parfait. Donc là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Et le but, en fait, c'est de détacher tous les grains. Donc on va pas les détacher un par un, je vous rassure. Mais c'est en fait de bien mélanger, en fait. Sale toubab. Monoponche. Bonjour Monoponche. Tu vas bien? Et donc du coup, bah là en fait, essayez de prendre. Normalement, enfin, les Japonais ils ont une espèce de grand bol en fait où ils vont pouvoir aérer le riz. Et du coup, bah, moi ça va être une assiette, hein, tout simplement. Et ils ont une cuillère spéciale que je n'ai pas aussi. Donc voilà, donc on va faire ça tranquillement. Là, je vais séparer. Donc tu me dis quoi pour les sushis tamagoyaki? Pour les sushis tamagoyaki. Bon, moi ça va être des knepfla. C'est quoi des knepfla? C'est bien, ça va être encore spécialité. J'ai été regarder sur ton site, tu sais, pour les sardines minimisées. Moi, je connaissais pas, franchement, c'est trop bien. Et pour les sushis tamagoyaki, attends, je vais regarder ce que c'est. Sushis tamagoyaki. Alors, hop là. Et non, je n'ai pas encore bu. Ah, attendez. Pourquoi vous mangez que des trucs dont je ne connais pas le nom? Parce que c'est trop bien la cuisine. Voilà, en règle générale, il y a plein de spécialités qui sont juste géniaux, quoi. Et puis souvent, on dit que ce qu'on n'a pas chez soi, en fait, c'est ce qu'on kiffe. Donc, comme par exemple, je sais pas. On a notre mère qui est blonde, on va kiffer les brunes, enfin je sais pas. Les omelettes. Alors, j'ai les omelettes. Ah, mais oui. Alors, l'omelette carrée, tu sais, la rectangulaire, c'est ça, Doom. Et en fait, tu coupes des petits morceaux et tu le mets sur le sushi. Ouais, ça, c'est top. Ouais, et je crois qu'en fait, ils le font cuire dedans, il y a du dashi. Ouais, j'ai pas de dashi. Moi, j'ai toujours kiffé les brunes. D'accord. Bah, le poulet rôti, ouais, je vais streamer un poulet rôti. Tu penses que vous seriez content si je stream un poulet rôti? On va juste le nettoyer, je vais le mettre au four. Oui, remarque, on discuterait pendant tout le reste du temps. Bon, du coup, là, il va falloir que, hop, que je me coupe de mon riz. Donc là, il est plutôt un peu, là, il est un peu collant. Donc on va bien mettre ça et les grains de riz, ça va leur permettre de se détacher. Hop. Donc on va laisser refroidir tranquillement. Ouais, c'est vraiment pour pas qu'il colle. Là, il commence déjà à coller. Ouais. Tu dois tuer la. Ah non, je peux pas. Tuer les animaux, je peux pas. Ah, je peux pas. Même, tu sais, les araignées, il y a des araignées là, je peux pas. Je les laisse. J'en demande juste d'aller un petit peu plus loin. Enfin, j'en demande de voir, mais je suis pas sûre qu'elles m'entendent en fait. Mais non, quand je peux laisser un maximum, je tue pas. Je peux pas. C'est trop mignon, ils ont le droit de vivre, c'est la nature quoi. Est-ce qu'il y en a un insecte que j'ai en horreur? Non, je crois pas. Hein. Il y avait. Ah, j'ai trouvé une peau de serpent! Un serpent qui avait. Enfin, je pense pas que c'est un serpent, ça doit être un truc de jardin et tout, mais qui avait mué en fait. Il restait que la peau, donc je sais qu'il y a quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose qui traîne par là. Truc de ouf. Une mue, ouais, exactement, ouais. Ah, j'ai dit quoi? Si vous m'avez repris tous les deux, c'est que j'ai dû me planter. Donc du coup, j'ai la barrette à côté. Les cheveux commencent sérieusement à me gonfler. Voilà. Ouais, une mue de serpent. Pas de serpent, mais je pense de vipère, enfin un truc de jardin. Mais c'est trop bien, et donc du coup, ouais, enfin. Ouais, donc la nature, j'ai quand même du mal. Il y a juste. Bah, il y a des fourmis ici. Les fourmis, elles peuvent m'énerver par moment. J'en ai eu, mais j'en ai plus du tout. Et je n'ai utilisé aucun produit. Et même, j'ai cherché la solution naturelle. Donc, si vous voulez enlever les fourmis, il faut prendre du basilic. Acheter du basilic. T'as un terrarium! Et alors, t'en as juste un seul dedans? Ouais, faut aimer. Hein. Moi, avant, je supportais pas juste la vision. Tu sais, quand ils se mettent à bouger, là, je détestais ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, ça va, j'arrive à supporter. Ah, mais ouais, terrarium, excellent.
Et du coup, non, une vipère, je sais pas, parce que je pense que dans les, tu sais, dans les jardins, c'est plus une vipère ou couleuvre. Non, ouais, couleuvre peut-être. Tu sais, les trucs soft, quoi. Les serpents, pour moi, c'est dans la jungle. Hein. Ah, t'avais une mygale. Non, mais vous êtes des ouf. Poulet rôti à la broche. Et Doom, j'ai pas. Si tu veux la taille de mon four, j'ai pas. En revanche, si tu veux, dans l'autre four, effectivement, j'ai une broche. Et là, je pourrais faire ouais, un poulet rôti à la broche. Et oui, du coup, comme ça, on l'arroserait en fait tout le temps et tout. Ah ouais, ce serait trop bon ça. Ok, donc là, j'ai cette première partie de riz qui est cuite. Hop, je vais faire le deuxième parce que sinon, ça va trop coller. Donc, je récupère nos cuillères en bois. Ouais. Et il y a une île en fait au Japon où ils vendent spécialement donc, la cuillère pour faire, pour tourner pour remuer le riz parce que le riz c'est très, très, enfin, c'est très, très important chez eux. Et donc ouais, sur l'île en fait vous arrivez, enfin, il y a une énorme cuillère mais je pense qu'elle doit faire 5 mètres de haut. Voilà, ils vénèrent la cuillère quoi. Parce que c'est grâce à la cuillère, elle a une forme spéciale qui permet de, hop, de retourner le riz. Alors attends, j'ai une couleuvre américaine de 1,20 m et on a récupéré une deuxième de 20 cm. Oh le truc de ouf! Non mais vous avez des trucs de ouf! Moi j'ai mon chat qui est gras! Tu creuses un trou dans le jardin et tu fais descendre pour le poulet? Tu m'étonnes. Non, il y a bébé qui va s'en occuper, je pense. Je te mettrai pas. Ah si, je veux bien la photo. Ah mais c'est génial, mais franchement, ouais, cuisinier, tu peux pas! Tu sais tellement de choses! Moi je viens dans ton resto, hein, c'est clair. Hein. Ma cuillère, elle est où? Elle est là. Ok, donc là on est bon. Ah, il y a peut-être le crumble qu'il va falloir qu'on fasse. Ok, donc là c'est pareil, j'essaye de, voilà, de détacher tous les grains de riz. Donc surtout pas l'écraser. Ah, je suis contente, il a réussi. Donc première fois que je fais ça, depuis que je suis là. Hop là. Adzéphobe. Je suis restée scotchée cette nuit sur Eublé Faris. C'est quoi Eublé Faris? C'est un jeu? Ah oui, il y a d'autres streamers que vous suivez? Super, donc là j'ai mon riz qui est prêt, je vais juste le laisser là. Comme il ne fait pas très chaud, il est bien refroidi. Donc on va couper le concombre, donc j'ai dit demi-concombre, mais du coup en fait vous voyez, on n'aura besoin que 3-4 lanières. Donc les autres lanières, vous les prenez pour l'apéritif, à croquer. Comment ça, ils ont des cuillères au Japon? Non. Oui, ils mangent avec des baguettes, et tiens, ça me fait penser que je n'ai pas de baguette, donc ça sera avec le doigt. Ouais, bah, non, en fait, la cuillère, c'est vraiment pour le riz, pour le retourner. On va reprendre notre planche. Et ils mangent tout avec la baguette, hein, c'est impressionnant. Les salades, même quand ils font des plats, alors bah, ils font des plats en fait comme nous, hein, les Européens. Le sushi et tout, faut savoir que c'est des trucs qu'ils font pas à la maison. En fait, c'est les sushis, les ramen. Je sais pas si vous avez déjà vu les ramen. En fait, c'est. Bon, c'est une espèce de. Enfin, il y a des pâtes, différentes pâtes et tout. Et ça, en fait, c'est vraiment que de la nourriture de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à la maison, on va pas aller faire des makis. On va pas, enfin, déjà, les makis, ça n'existe pas là-bas. On va pas aller faire de saumon. On va vraiment faire des plats bah, comme nous, en fait. Et ils ont voilà, des fruits et des légumes qui sont juste impressionnants. Au niveau des produits de la mer, ils ont des trucs de fou que je n'ai jamais vu. Ils ont des moules de cette taille-là. Enfin, voilà, c'est des trucs, des huîtres de cette taille-là. Voilà. Et donc, du coup. Donc du coup, tout ça pour dire que... Ouais, et tout ça, en fait, ils le mangent à la baguette. Que ce soit du riz, des pâtes et tout, ils mangent tout à la baguette. Les légumes. Ouais, ils sont assez impressionnants. Streamer animaux. Ah, un streamer animaux! Il a montré son chute. Ah ouais! D'accord, ok. Et donc le gars, il s'appelle comment? Mais il stream, il a différents animaux ou il a juste le... Ouais, pour faire un maître sushi, ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est tout un art, hein, c'est un truc de fou. Hein. Non, mais les Japonais, de toute façon, je vous ai dit. Hein. Vous allez dans ce pays-là, vous n'avez pas l'impression d'être sur cette planète, quoi.
Ok, donc feignassitude numéro 2, a priori. Le concombre que je vais laisser en entier parce que bon, parce qu'il est bio déjà. Et donc la peau, en fait, voilà, si vous achetez un maximum bio, tous les nutriments ils sont dans la peau, donc gardez-la. Donc du coup, ça m'aide dans ma feignassitude. Donc là, on va juste faire des lamelles, alors pas trop épaisses. C'est un problème. Non, mais ils ont qu'à rester sur leur. Attends, là en même temps avec Fukushima à côté. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, les pauvres, franchement, ils ont à chaque fois des catastrophes de ouf. Et j'ai visité le site d'Hiroshima. Donc il y a un mémorial. Il y a la flamme de Nagasaki qui est toujours entretenue depuis qu'il y a eu le bombardement. Donc ça donne quand même la chair de poule et tout. Et là, dans le musée, en fait, ils font des reconstitutions en fait de ce qui s'est passé. Et en fait, il y a un énorme paysage de la ville, en fait, d'Hiroshima. Et donc, ils ont gardé deux monuments de l'époque, ils n'ont pas touché. Et en fait, on voit qu'il y a la bombe qui est arrivée et tout ce qui était autour, enfin, ça a été balayé. Enfin, voilà. Et donc, il y a des reconstitutions d'humains, mais vous savez, avec la peau qui dégouline, en fait, en montrant qu'ils ont été brûlés. Donc, ouais, c'est assez fou, c'est assez prenant, quoi. Mais ouais, ils ont eu Fukushima en plus, enfin ouais, enfin, c'est les pauvres quoi. Ils ont qu'à rester sur leur planète. Non, non, franchement, ils sont top. Après, voilà. Faut aimer ou pas la culture japonaise, c'est ça. Ouais, faut que. Après, vous avez vu, il y a beaucoup de Japonais aussi qui kiffent la culture française. Hein. Mais je vous dis en fait, au niveau de. Pareil, quand vous allez dans les centres commerciaux. Vous rentrez en fait en bas, il y a tout le rayon pâtisserie et en fait la pâtisserie aussi chez eux, bah, en fait tout est packaging, c'est-à-dire que vous avez envie de tout manger en fait, tout est beau, tous les packaging, enfin tout ce que vous achetez en fait c'est juste magnifique, c'est des ouf. Ouais bah tu sais après on apprécie, on n'apprécie pas. Hein. Moi j'ai découvert ça ces dernières années, après c'est vrai que je m'étais jamais penchée sur cette culture-là. J'étais plus culture ouais plus ouais j'ai envie de dire américaine ou tu vois des trucs comme ça. Et là, du coup, franchement, ouais, j'ai kiffé quoi. C'est un pro de l'élevage, j'ai diplômé, il en a 70. 70, mettons. Non, mais sans blague. Mon Dieu. Donc, du coup, en fait, ils vont venir garnir nos maquis et nos californiens. Donc, on va les mettre de côté. Je vais les mettre ici. Et il ne nous reste plus que l'avocat. Donc, l'avocat, c'est toujours. Tadam! On va voir à l'intérieur comment il est. Donc l'avocat aussi, hein, hyper bonne graisse, mais il faut en manger un par semaine. Hein. Eh ben écoutez, ça va, plutôt bien. Hein. Ouais, il faut en manger un par semaine, sinon ça fait. Bon, en fait, c'est des super bons gras, mais voilà, c'est hyper calorique. Donc c'est pour ça, en fait, dans le maquis, au final, donc c'est peut-être sain parce qu'il y a des bons produits, mais au final, en fait, il y a une totalité de calories qui est assez impressionnante. Bon voilà, donc faut pas trop en faire, sinon. Moi, je sais que je mange tout. Par contre, si vous avez une soirée avec des potes, franchement, c'est le truc nickel. Hein. Vous faites ça l'après-midi, hop, et le soir, vous n'avez plus qu'à couper et vous passez la soirée avec votre pote. Perso, Cuba, Jamaïque. Ouais, Cuba, Jamaïque. Alors, ouais, je connais quelqu'un qui est parti et qui m'a dit que c'était juste fantastique, en fait. Il y a juste ce qui leur. Tu sais, ce qu'elle n'avait pas aimé, en fait. C'est le côté un peu pauvre, en fait, de l'endroit. Parce qu'en fait, ça se voyait. Il y avait juste ça qui était un peu dérangeant. Mais sinon, enfin moi, ils ont dit que c'était transporté en fait dans les années 60, en fait, avec les voitures, avec c'est magique. Ah, tu as été toi? Donc ouais, c'est magique, quoi. Ouais, avec plaisir, Doom. Franchement, avec plaisir. Ouais, la cuisine japonaise, bah tu sais, j'ai pas ma machine, mais j'avais ramené une machine, tu sais, pour faire les okonomiyaki et les petites boules, la spécialité d'Osaka, avec du poulpe, okonomiyaki, ah, je trouve plus, ça va me revenir. Ouais, je kiffe. Et je t'ai dit, la dernière fois, tu sais, je vous avais dit que j'avais acheté des magazines japonais de cuisine. Mais le problème, c'est que c'est écrit en japonais, mais juste leur plat, c'était juste magnifique. Et leur façon de couper la viande hyper finement aussi, au niveau du goût, c'est juste trop bien, quoi. Je veux passer ma retraite là-bas. Ah, c'est parce qu'il y a des jolies filles, non? C'est ça? Alors, du coup, l'avocat, donc vous pouvez, en fait, moi, je vois.
Là, il se détache plutôt bien. Donc, vous pouvez directement le détacher à l'arrière. Moi, j'aime bien couper à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, comme ça, je garde mes petites lamelles. Mais vous pouvez le faire de l'autre côté, hein. Donc là, je vais peser ce qu'il y a en... Tiens, je vais voir. Pour voir combien de calories ça fait. Bon, je pense qu'un demi-avocat, ça va suffire. Comme on va faire que deux makis. Et je vais garder le reste. Du coup, j'ai jeté... Ah bah non. Ah, je ne peux pas récupérer la poubelle à l'écrado. Du coup, je vais mettre... Parce que normalement, vous me gardez le noyau et puis vous pouvez garder l'autre partie. Bon, bah c'est pas grave. Désolée, je récupère le noyau et je vais le passer là. Il est où? Non, non, je vais pas faire ça. Non, en plus, non, c'est bon. Tant pis. Je vais mettre du citron. Citron, ça marche, hein. Ouais, comment elle s'appelle? Avec le rhum et toutes les filles. Bah ouais, je te reconnais bien là. Tu m'étonnes. Ouais, dis-moi Doom, comment elle s'appelle? Parce que du coup, je la suivrai sur Insta et j'irai voir ses vidéos sur YouTube. Du coup, bah, je crois que c'est avec du citron, hein. Voilà, parce qu'il commence déjà à... Ah, je vais faire un petit coup de citron. Et donc vous, ouais, vous avez pas eu envie de streamer ou de... Ok, bah écoutez, j'ai mis du citron, on verra bien. J'aimerais bien que ça tienne jusqu'à demain parce que si je mange l'avocat ce midi et encore ce soir, boum boum. Poum. Non, je rigole. Alors, du coup, papier film. Hop. Et bah écoutez, on part, mais... Elle commence. Yes. Alors, je crois que je vais récupérer les chips. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Très bonne idée, merci Dou. Avocat. Ça sera pour l'apéro. Bon, concombre, hein, pas de saison, mais on lui dit quand même. Voilà. Bah écoutez, on va passer au montage. Donc, on va prendre nos feuilles. Donc, vous avez besoin des feuilles nourries. Donc c'est à base d'algues. Hein. Donc la compo, donc les algues sont juste hyper bonnes pour la santé. Il faut que vous aimiez ça par contre. Hein. Alors compo, donc pour 100 grammes, bon c'est quand même calorique, hein, mais là-dedans en fait dans ce paquet-là, vous avez que 17 grammes. Il y a 7 feuilles, donc voilà, c'est pas du tout calorique en fait à l'unité. Donc en matière grasse, on a 3, glucides 5 et fibres, on a 36 grammes, donc hyper bien. Et protéines, 43 grammes. Bon, après, il faut s'enfiler, hein. Il faut s'enfiler 100 grammes de feuilles, hein. Mais il y a des petites chips. Attendez. Ouais, il y a des petites chips pour l'apéritif. Ça se présente comme ça. Et du coup, en fait, dans ce paquet-là, bon, ça, c'est ceux qui sont toujours à la recherche de protéines, hein. Donc, bon, ça fait que 4 grammes. Après, le seul inconvénient, c'est que c'est très salé. Mais bon. Ça fait 4 grammes. Et protéines, bah, c'est pareil, en fait. C'est hyper protéiné. Par contre, là, je comprends pas. C'est quoi? Chips d'algues nature. Ils ont du sou. Planté. C'est des algues nourries. Pour 100 grammes, 612 calories. C'est quoi le délire? C'est quoi la différence entre ça et ça? Nourri. Bah là aussi, c'est nourri. Ah, c'est marrant. Franchement, c'est... ouais. Bah ouais. Matière grasse. Bah il y a un plantage quelque part, hein, c'est pas possible. Hein. Donc du coup, moi j'étais plus sous cette composition en fait, où en fait vous avez vraiment la protéine dedans. Je sais pas ce qu'il y a sur le paquet, mais ok. Donc du coup j'ai pris, mais j'avais pas regardé, parce que pour moi les algues nourries c'est protéiné, mais tant pis. Hein. La forme du paquet. Ah attends. Si tu les broies en poudre ou alors en lamelles comme pour le furikake. Ouais, je vais peut-être les faire en lamelles. Comme ça m'évitera d'utiliser le mixeur. J'ai mis le lien sur Discord. Bah écoute, super, merci. Ouais, non, c'est bizarre, hein, parce que c'est des algues nourries en fait.
Donc du coup, tu vois, j'ai même pas regardé la composition parce que pour moi, je sais que c'est plein de protéines et tout. Et là, il n'y a pas en fait. Et là, ils disent 1 gramme de prot. C'est vraiment bizarre. Bon, je regarde en tout cas. Donc voilà, donc nous allons partir, on va rouler le premier, on va faire un maquis. Donc le maquis, c'est quand vous avez la feuille d'algue à l'extérieur. Ensuite, on fera le californien, la feuille d'algue est à l'intérieur. Et on terminera avec des petits sushis, sashimi. Et bah, avant de faire tout ça, on va peut-être, je vais peut-être lancer le crumble en fait. C'est quoi comme titre ton 45 tours? Attends, c'est à qui? À moi? Mon titre préféré? Je remets là, ça je vais mettre au frais et je vais récupérer mon saumon. On va sortir les petites fraises aussi. Et pour le crumble, donc on va partir. Donc, ouais, mais la farine. Arrêtez tous les deux, mais tous les deux en fait vous vous entendez hyper bien quoi. Attends. C'est la, mais la forme du paquet, la format du paquet. Ah, attends, la forme du paquet. Mais là, la forme du paquet, c'est quoi? On a un QI similaire sans doute. Ouais, le mien, normal, hein. Attendez, je vais faire mon petit pour vaisselle et après on va monter les. Je vais faire le crumble, ça va passer au four et je vais sortir les chips. Hein. Attendez, hop. Donc là, vous me demandez trop de concentration. Hein. On va faire crumble comme le four il est allumé, autant me lancer. Alors. Oh yes! Et moi qui jetais la peau tout le temps, franchement. Donc du coup, voilà. Je vais attendre que ça refroidisse et on coupera là. Génial, merci Doum, franchement, super. Ok, du coup, on va juste faire le crumble. Donc, le crumble, pour qu'il soit healthy, donc normalement, il y a du beurre dedans. Donc, du coup, il n'y aura pas de beurre. On va juste avoir. Donc, la matière grasse, je compte sur la poudre d'amande pour réussir un petit peu à nier tout ça. On va voir. Comme d'hab. Ouais, comme d'hab, lol. Et donc, du coup, il n'y en a pas un de vous deux qui a envie de m'expliquer. Donc, du coup, on part sur du sucre complet. Donc, le sucre complet, donc c'est une alternative aussi au sucre blanc. Voilà, donc au niveau des calories, hein, on est à peu près pareil, mais il est plus intéressant nutritionnellement. Enfin, voilà, c'est du bon sucre comparé au sucre blanc. Donc, voilà, on va utiliser ça. Après, je me suis dit. Donc, généralement, il faut de la farine. Vous savez, un espèce de temps pour temps. Farine, sucre et beurre. Et du coup, il n'y aura pas de beurre. Donc, là, sur le sucre, on part sur celui-là. Pour la farine, en fait, je vais faire un mixte entre farine de riz, comme ça, c'est le gluten. Farine de riz et farine de maïs. Ça peut intéresser certaines personnes. Nos petites fraises, elles sont là. Elles sont jolies, hein. Donc, il y aura du basilic aussi. Et du coup, on va prendre de l'amande en poudre. Donc, là, je vais mélanger ces trois-là. Je vais voir ensemble si ça, je réussis à former quelque chose et après si je peux les délier en fait pour faire le crumble. Ben, sinon je rajouterai, bon j'ai mis du sirop d'agave, mais ça c'est vraiment le dernier recours. Voilà, j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas. Donc on va déjà voir la texture que ça donne. Monte à expliquer, remonte le chat. Ah mince. Ton paquet de feuilles d'algues, c'est le format d'un 45 tours. Ah ok. Oui, bah oui. D'accord. Ok, j'ai compris. Désolée. La fille qui a mis 3 quarts d'heure. Ouais, donc sur le moment, en fait, bah du coup, ouais, vu que c'est après, ça vient moins. Désolée. Alors, j'ai dit que je vais faire un petit point vaisselle, mais je le ferai juste après. Mais merci les gars, hein. Merci de traduire pour moi. Allez, on part pour. On y va pour le crumble. Donc en fait, ce sera pas un vrai crumble, c'est-à-dire que. Hop. Donc ça sera un petit dessert un peu frais, donc crumble en dessous, ensuite on mettra du skyr, donc ce sera vraiment tout simple, il n'y aura pas de cuisson ni rien. On va préparer une compotée de pommes, dedans je vais mettre les feuilles de basilic avec voilà, peut-être un filet d'eau, parce que bon, elles sont fraîches, hein, normalement ça rejette de l'eau, mais bon j'ai peur que la compotée soit trop, trop bref, ferme.
Et voilà. Et donc, du coup, alors attendez. Crumble, compoté, on terminera par skier et puis on décorera par des jolies petites fraises. T'as compris ou pas? Mais non, pas celui que tu as regardé, lol. Mais oui, c'est celui-là. C'est celui-là, le 45 tours. Mais oui, mais alors, désolé les gars, mais oui, j'avais compris. Piou, ouais, c'était dur, hein. C'est dimanche matin. C'est la veille de la rentrée, c'est pour ça, tu sais. Donc on est d'accord, c'était lui le 45 tours. Alors c'est parti. Donc on fait 20, autant pour temps pour tous. Après, si vous pouvez mettre du beurre, hein, ça facilite la solution. Alors, donc on est à 13, je vais en chercher un autre. 13. Bonjour, alors attends. Ouais, mais c'est quoi le titre là? Le titre c'est Tanoshi. Tanoshi Agunori. Bonjour, il se croit fort? Ah, il se croit fort, je crois que j'ai bien traduit cette fois-ci, hein. Tu utilises quoi comme fraise? Coucou les filles, ouais. C'est des petites fraises gariguettes. Ouais, je crois que c'est des gariguettes. Je crois pas, attends, je sais plus. Ouais, si, je crois que c'est ça. Ou les fleurettes, je sais plus. Alors, du coup, donc on part sur 20. Ouais, j'essaie de rester de saison. Salut, X-Croix-Fort des Tagada. Vous avez des surnoms quand même, vous êtes des ouf, hein. C'est cool, c'est marrant. Alors du coup, on part sur donc 20 grammes de sucre complet. 20 grammes. Non, je vais être obligée de mettre du sirop d'agave et je crois que je vais mettre un petit peu d'huile pour lier un petit peu tout ça. Voilà, et ensuite on va faire 10-10. Donc ce sera farine de maïs torréfiée. Peut-être que ça donne un petit goût torréfié. Enfin, je vous avoue, j'ai pris les différentes farines, je me dis hop. On va voir, comme ça on fera tester plein de trucs. Et les galettes, là, si on fait des tortillas, ça sera avec farine de maïs aussi. Hop là. Je suis nulle. Voilà. 10, donc on va prendre 10. Des fraises Tagada, mort de rire. Ils se croient fort, des Tagada. Il y avait une blague, c'est ça? C'est pour ça qu'il m'a demandé ce que j'utilisais comme fraise. Ah d'accord, ok, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il me demandait ce que j'utilise comme fraise pour aller avec il se croit pas. Ok, d'accord, ok. Au secours. Des fraises Tagada, alors attends. Alors 10. Oui, vous l'oubliez. Donc on part sur 10 grammes. Ah, j'en ai mis 18, c'est con. Bah du coup, ça sera que la farine de maïs. Ok, donc temps pour temps. Voilà, donc là, je vais être obligée de mettre un liant. Je vais mettre le sirop d'agave. Et puis, on va se partir, on va tester, on va voir avec ça. Et on mettra le crumble au four. Voilà, sirop d'agave. On va faire une faire la soupe. Mais je crois qu'il faut de l'huile. Bon, on va déjà tester avec ça. Une cuillère à soupe, ça va pas être suffisant, je vais mettre deux. Donc, faut réussir à former les morceaux. Alors attendez, t'inquiète gastro, elle était bien ta blague. Une sur deux, c'est déjà pas mal. Oui, les fraises Tagada, ouais, je suis d'accord. Oui, mais j'ai compris après, en fait, c'est son moment. Je suis juste à la ramasse, quoi, la fille, quoi, mon Dieu. Ouais, les fraises
les fraises tagada, oui, c'est ça, voilà. Quel type de fraises tu utilises? Les fraises tagada, c'est ça? Voilà, donc j'essaie d'obtenir le crumble, donc on est des petits morceaux là qui soient bien. Peut-être remettre encore une petite cuillère. Et après, hop, on passe au four. Du coup, là, ça faisait deux demi-cuillères, donc on est à deux vraiment cuillères de sirop d'agave. Voilà, donc ça commence à faire des petits morceaux comme le crumble. Très bien. Ouais, c'est pas ça, c'était pas ça? La jour sur les. Ouais, c'est bon, je suis à jour, hein. Je suis pas. Ah, t'es pas sûr? Ah merde, hein. Bah voilà, Zephyr, il est d'accord avec moi. Si tu mets des dattes avec ta poudre d'amande, ça marche et tu n'as pas besoin de sucre ajouté. Ah, purée, j'y ai pas pensé. Tu as raison, tu as complètement raison. Donc du coup, tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire deux pâtes à crumble. Je vais en faire une avec la datte. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je mixe ou pas, Doom? Parce que je t'avoue, j'ai pas envie d'utiliser le mixeur. Mais non, tu sais quoi? Je vais tester, t'as raison. Allez, je vais tester. Donc je mets les dattes avec la poudre d'amande. Donc là c'est ce que je fais, tu sais, en partie tartelette dans mes tartelettes. Je mets que ça. Et du coup je le mets au four. Ouais c'est vrai parce qu'à chaque fois je mets au congélateur pour que ce soit la base de ma tartelette. Donc j'ai juste à la casser en fait. Ouais. Et voilà, on fait des blagues, on dit des conneries et Doom nous sort un trait de génie. Ouais, grave, merci Doom. Ouais, non, je vais pas la changer, mais du coup, tu sais, comme là, je me dis que je pourrais. Quoique, non, la prochaine fois, quand je ferai une tartelette, je testerai, je mettrai une partie au four. Mais t'as raison, ouais, comme ça, il n'y a pas de sucre en plus, parce que là, du coup, il y a le sucre de canne et le sirop d'agave, quoi. Mais ouais, grave. Mais ouais, pourquoi j'y ai pas pensé? En fait, faire ça, quoi. Ok. Donc du coup c'est bon là j'ai bien, bien mes gros morceaux. Hop, nickel. Et nous allons mettre ça au four. Donc un petit papier sulfu s'il vous plaît. Que j'ai mis, que j'ai mis, que j'ai mis. Là. Hop, donc je vais le remettre à 180. Là, du coup, il va surveiller la cuisson parce que j'en ai marre de cramer. Ah, vous savez que mes cookies, donc les cookies d'hier, étaient très bons. Donc, mais en fait, ça sèche au bout de 2 heures. En fait, ils étaient durs comme du béton. Donc, du coup, tant mieux, j'ai pas tout fini. Hein. Au moins, parce que je rate mes cuissons, du coup, je grossis pas trop, quoi. En Afrique, le pot vide vin pourrait tuer plus vite que un spécial pour toi. Le pot vide vin. Ok, là, j'ai compris. Ah bon, on est au niveau Laurent Ruquier là pour les blagues. C'est une recette dans un livre. Laquelle? Sélection naturelle. tu sais que j'ai regardé hier, j'ai regardé le début du live en fait de Conticini. Bon, ils ont parlé des différents. Bah après ça, je t'avoue, je suis pas restée. Ok, donc là en fait, je forme bien tout ça. Donc c'est une recette dans un livre. Ok, d'accord. Ok, moi qui avais trouvé, qui pensais avoir trouvé. De toute façon, je crois qu'au niveau des recettes, on a à peu près tous. Enfin, moi je suis pas une experte. Hein. Mais je crois qu'on retrouve beaucoup de trucs. Ok. Donc là, du coup, je vais juste faire des gros morceaux. Ok, bon allez, c'est parti. On va dire 15 minutes, on regardera dans 15 minutes. Donc je mets. Horloge, c'est bon. C'est parti. 6.
si t'as mis du prompt dans tes cookies, c'est normal qu'il a vite durci. Du prompt, c'est quoi? Dans les cookies, en fait, ce que j'avais mis, c'était flocons d'avoine. J'avais mis du. Attends. Un petit peu d'huile de coco. Du beurre de cacahuète. Non, j'ai pas mis d'huile de coco. Beurre de cacahuète à la place. Des cacahuètes. Des cacahuètes grillées. Donc il y avait des pépites de chocolat et on avait mis aussi. Ouais, faut le qu'on a. Et compote de pommes, une cuillère de compote de pommes. Et du coup, en fait, non, c'est la cuisson, tu sais, en fait, j'ai absolument pas surveillé. Donc normalement, c'est le ciment prompt par sa prise rapide et très. Ouais, merci. Non, là, du coup, en fait, c'est que je les avais oubliés. Il y a un mois, en fait, ils étaient bons, les cookies. Et en fait, les cookies, il faut les sortir avant parce qu'après, ils vont continuer à. Enfin, bref, à refroidir et donc à durcir. Et du coup, ouais, j'ai pas sorti comme il fallait. Voilà, on a discuté, et hop, ça avait cramé. Mais du coup, c'est pas parti dans les fesses, donc ça me va. Mais j'en ai quand même mangé un. J'en ai mangé un aux cacahuètes et la moitié du pépite au chocolat. La crêpie à verre. Le mélange que je t'ai donné, je l'invente pas, je n'ai pas du tout. Ah, d'accord, ok, ça marche. Ok. Ouais, bah écoute, hein. De toute façon, je crois qu'on est un peu, on est un peu tous pareils. Hein. On regarde à droite, à gauche. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, tu sais, pour le pain hamburger, en fait, j'ai regardé la base, je prends la base classique, en fait, de comment on fait un hamburger. Et après, bah, tu sais, j'ai joué sur sur les différentes farines. Là, je me suis posé la question, en fait, parce que le pain hamburger, donc, bah, c'était hyper bon, hein, le burger était hyper bon. Mais en fait, au milieu du pain, je vous avais montré, vous savez, c'était un petit peu dur. Et du coup, en fait, c'est parce qu'il y a une des farines que j'utilise qui a besoin de plus d'eau. Donc, je me dis qu'il va falloir que je mette en fait du lait végétal, enfin un truc liquide en plus, pour qu'il devienne beaucoup plus aéré. Mais ouais, enfin, d'où je suis comme toi, hein, je connais pas et tout. Mais généralement, ouais, je prends la base, enfin la recette de base. Et tu sais, il y a des ingrédients qu'on peut changer. Par exemple, on peut remplacer l'œuf par tel truc ou le beurre par tel truc. Voilà, j'essaye de jouer sur ça en fait. Mais je suis comme toi, hein, moi je. Voilà, je suis pas. Après, il y a quelques recettes que je vous ai faites, là, ça venait de moi. Mais au final, il y avait le hachis veggie, avec patates douces, le bouillon et tout. Mais bon, voilà, après, je pense que c'est. Voilà, tout. Ouais, si tout le monde cuisine. En fait, si tu cuisines un peu, ouais, il y a des trucs. Bon, on va tous avoir la même idée, quoi. Je sais pas ce qu'ils entendent dans les diverses utilisations. Ouais, bah, moi non plus, tiens. Non, non. Il y a le crépi à faire aussi. Le crépi où? Chez toi? Je sais pas pourquoi je crie en fait. Vous avez remarqué que quand je m'adresse à vous, je crie. Ah, je fais le petit point vaisselle et après on va rouler. On va rouler, rouler. Et ensuite, on va monter nos petites fraises. Et je vais lancer après le point vaisselle, je vais lancer la compotée de fraises. J'abandonne là. Je suis désolée, Gaston. Je te promets, je suis vraiment désolée. Parce que j'avais compris le ciment, je pensais. Attends, je ne sais pas ce qu'il y a dans le bien d'utiliser. Ouais, bah peut-être que c'est. Ouais, je sais pas, c'est peut-être en rapport avec moi. Ouais. Je sais pas. Voilà, du coup, ouais, vous pouvez vraiment dire que c'est une brocolie. Hein. Au secours, quoi. Ouais, c'est peut-être pour les blagues qui sont un peu trop second degré, je crois que ça me. J'y arrive pas quoi. J'ai besoin que ce soit explicite, vous savez, c'est comme les enfants. Parce qu'avec les enfants, on travaille l'implicite, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit. Donc ça se trouve, dans le second degré, c'est trop implicite pour moi. Tu cries parce que tu penses que je suis sot. Non, ouais, c'est clair. Non, non, du tout, je sais pas pourquoi je crie. Donc si vous êtes avec les écouteurs, ça ne doit pas être très. Bon bah du coup en fait pour mon emploi du temps, donc j'ai regardé. Alors bah il n'est pas là Andreas, mais je pense que je vais pas tarder à faire un menu argentin, spécialité argentine. Mais du coup je le ferai peut-être un soir. Je sais pas à quelle heure ça correspondrait chez lui. Donc ça pourrait être cool en fait qu'ils suivent le stream en même temps. Donc ouais, donc dans les spécialités argentines, il y aura un petit dessert qui sera pas mal du tout, mais qui fera bien grossir. Sinon, le reste, ça restera du tout healthy.
Donc la semaine prochaine, je vais garder mon emploi du temps, je vais garder le sport. Je vais voir la première semaine si j'arrive à gérer la reprise de l'école et les streams. On va voir. Et voilà. Et donc voilà, je garde ça pour la première semaine. Et si, après le week-end prochain, je vous dirai si ça fait trop pour moi. Si j'arrive à m'organiser. Ouais, bonne idée, hein, le menu argentin, ça peut être sympa. Et donc du coup, il sera pas healthy, mais bon, voilà, ça peut être sympa. Il sera content. Et en plus, il m'a envoyé une photo là de. Mais c'est sa grand-mère qui fait ça. Et le problème, c'est qu'il n'a pas la recette. Des sortes d'empanadillas, il appelle ça empanadas frites, je crois. Et en fait, c'est différent de, ouais, de ce qu'il y a vraiment sur. C'est plus dans la campagne rurale, il m'a dit. Donc, du coup, j'aurais été plus intéressée que faire, vous savez, un stream le soir. Bah, ouais, ça peut être pas mal, non? Ça me dérange pas que tu parles fort. D'accord. Ok, bon, bah, c'est bon alors. Non, le stream. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il avait dit. Et donc, du coup, il m'a envoyé une photo. Mais il a pas les ingrédients. Bon, au moins, je sais à quoi ça ressemble. Ok, donc là, je fais tout doucement. Ou au four. Ouais, bah, je les ferai au four. Hein, parce qu'apparemment, ça marche hyper bien. C'est pas comme les falafels, tu sais, où c'est un petit peu sec. Ça donne une petite sauce à côté. Ouais, les falafels, j'ai... Enfin, ouais, j'ai... Enfin, c'est bon. En tout cas, faut être habitué au... En fait, pas être habitué au goût des falafels. Découvrir autre chose. Parce qu'il faut la petite sauce, sinon. Il faut la petite sauce. Non, pardon. Mais bon, je ne lâche pas. Je retenterai des falafels, l'anti-corail. Le pot cassé, c'était le meilleur. Je retenterai l'anti-corail et je voudrais qu'il n'y ait pas besoin de sauce. Voilà. Que ce soit gourmand sans qu'on ait besoin d'apporter quelque chose en plus. On verra. Toi, tu fais... Ah, tu fais l'empanada. Non, mais... Doom, faut que tu stream, toi. C'est excellent. Parce que moi, je serai la première fan, hein, je regarderai. Hein. Ouais, je vais faire la sauce chimichurri. La sauce chimichurri, un panadas et la milanessa. La milanessa, et pour le dessert, c'est les alfaneros. C'est deux petits biscuits, en fait, qui ressemblent à des macarons. Ah ouais. C'est deux petits biscuits ronds et au milieu en fait il y a donc ils disent apparemment qu'on peut mettre de la confiture, mais là ils disent c'est quoi, du dulce de leche, du lait de dulce, ouais c'est ça, ça s'appelle dulce de leche, enfin c'est du lait concentré en fait, hein, ça se transforme en caramel et donc du coup voilà, ça sera pas du tout healthy. Ouais, les empanadas c'est très très bon, ouais je suis d'accord, ouais en plus si je peux réussir à les faire au four, bah laisse tomber, c'est un... Bah ça reste petit quoi. Ok, donc là on est bon. Je vais lancer la compotée et on va se mettre à rouler. Une femme qui fait la vaisselle. Ouais, t'as vu, hein. C'est un peu cliché quand même, hein. Mais t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut à côté. Simplement que tu sais, pour les casseroles et tout, c'est compliqué. Pendant le stream, en fait, comme j'ai pas une tonne d'ustensiles. Voilà, du coup là je me fais un petit peu de plaisir parce qu'on va rouler ici et je vais lancer la compotée. Mais ça sent bon. Je laisse. Hop, donc on va ranger un petit peu tout ça. Bon, normalement le riz il faut que vous fassiez comme c'est un petit peu tiède. Hein. Mais ça sera bon, en fait vous allez voir. Ouais, facile à faire, c'est du lait concentré en boîte. Mais tu sais que j'ai scanné avec Yuka. Oh mais non, gastro, ça me tente bien le goût de tabaga. J'ai jamais mangé, je sais même pas quel goût ça a. Donc franchement, c'est vraiment challenge. Hein. Non, franchement, ça me tente bien. Bah du coup, je te dirai. Alors, par contre, si je le trouve pas aux courses, qu'est-ce que tu veux à la place? Voilà, c'est vraiment si je le trouve pas aux courses, parce que le challenge Rutabaga, ça me tente bien. Je connais pas. Voilà, bon, je t'avoue qu'après, au niveau des recettes, je vais peut-être aller fouiller un petit peu sur Internet. Et je vais surtout le goûter, en fait, pour connaître en fait le goût qu'il a. Et avec quoi je peux le faire. Ok, ça marche. Donc c'est juste si je le trouve pas. Je pense que là en ce moment c'est la saison, donc je vais le trouver. Voilà, mais c'est juste au cas où. Et du coup ça sera pas cette semaine, mais la semaine d'après. Vous avez réfléchi au défi 200
Go to 200. Ouais, on est en plein dedans. Donc normalement, je pense que j'en trouve. Franchement, après, c'est s'ils sont mal achalandés, tu sais, le jour où j'y vais. Ouais, là, ce sera un petit peu chiant. Donc trouve-en un deuxième, tu sais, qui est un petit peu chelou, quoi. Tu peux rester dans les racines si tu veux. Et du coup, ouais, j'aimerais bien essayer de faire entrée, plat et dessert avec ça. Moi, avec les racines, ça dépend. Ok, donc du coup, là, c'est bon. J'ai fait ma vaisselle hyper doucement. Je suis désolée. C'est juste que, comme d'habitude, il y a l'ordi à côté. Hop. Allez, on est parti pour la compoter. Je vais rincer mes fraises. Donc, du coup, je vais prendre. Donc, c'est juste pour la compoter. Je vais prendre à peu près 50 grammes de fraises. On va mettre un petit peu d'eau. Et je vais faire sur la plaque. Parce que j'en ai marre que tout crame. Voilà. Donc, j'ai une plaque électrique. Donc, du coup, je vais faire sur ça. Alors, mes petites fraises. Et dedans, je vais mettre du basilic. Ah, merci pour le follow. J'ai pas entendu. C'est bizarre. Alors, attends. Ok, compte sur moi. Ouais, ça marche, gastro. Alors. Et pour le doucher de laitier, j'ai vu que vous pouvez le faire avec du lait entier aussi et du sucre. Donc, du coup, ouais, lait concentré, je pense que je vais plus prendre la boîte de lait concentré, comme ça sera plus simple. Je crois qu'elle était focus sur le rutabaga. Non, bah, j'ai pas entendu en fait. J'ai même pas vu. J'ai même pas vu Totoro. Attendez, je regarde au niveau du son. Bah, non, je suis bien. Mais je sais pas pourquoi au niveau du son, j'ai rien entendu. Bon, bah, merci. Merci pour le follow. X croit fort. Désolée. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que le rutabaga, tu vois, au final, ouais, j'ai jamais acheté. Autant le panais, à un moment, avec le topinambour, il y avait une grosse mode qui avait été relancée il y a quelques années, en fait. Donc là, par curiosité, j'avais fait, mais le rutabaga. Et pareil, il y en a un autre que je cuisine pas. Tu sais, c'est le céleri rave. Mais ça, du coup, j'ai déjà goûté. Après, c'est pas un goût. Comme le céleri, tu sais, c'est pas un goût qui me. Mais après, je sais que dans certains bouillons et tout, c'est juste trop bon. D'ailleurs, j'ai vu un bouillon de. Comment il s'appelle là? De Zanoni. Je sais plus quoi. Il utilisait bah, justement du céleri, quoi. Eh ouais. Mais ouais, bon, c'est pas grave. On va s'en remettre. Alors, on part sur 50 grammes. Peut-être même voir. Hop. Ouais, il y a 5 fraises, donc on va peut-être partir sur un petit peu plus. Là, du coup, je vais mettre juste une feuille de menthe. Parce que je voudrais vraiment juste que le goût il soit. Non, de basilic, qu'il soit léger. Je vais en rajouter 2. Et c'est parti. Donc, on va les couper. Et c'est parti pour. Et après, on aura juste à monter. Hein, donc, ça sera rapide. Donc quand les fruits sont congelés, vous n'avez pas besoin de rajouter un petit peu d'eau. Mais là, comme c'est des fraîches, on va rajouter un petit peu d'eau quand même. Et du coup, bah, je vais mettre juste. Est-ce que je mets du sucre? Non, je crois que je ne vais même pas mettre de sucre parce que la fraise, c'est mieux que au niveau de la framboise, l'acidité. Après, vous pouvez mettre hein, du sucre, vous savez que moi. Bon, j'en ai. Et il y a le crumble hein, pour le côté sucré. Je vais mettre un tout petit peu plus d'eau. Mais c'est trop fort, donc je vais mettre un petit peu plus bas. C'est bon. Alors, bonjour Cafard, tu vas bien? Bonjour Trésor de Maya, je vous honore. Tiens, toi, c'est gentil, merci. Fais gaffe. De ce que j'ai compris, il reste des cookies au pro. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Hein. Nous, ce sera maquillé, toi et Pina, ouais. Tu m'étonnes. Allez, va. Ouais, rhubarbe. Oh là là, rhubarbe. Franchement, si j'en trouve au cours, la prochaine fois, je prends. Quitte à la congeler, en fait. On va boire un petit peu.
Le barbe, c'est trop bon. Ah, c'est cool s'il y en a qui aiment bien et tout. Hein. Ouais, la barbe, c'est 13 ans, exact. Ah, donc c'est rhubarbe que tu me proposes. Attends, c'est le temps que ça monte au cerveau. Ouais, d'accord pour rhubarbe, ok. Voilà, du coup, il va falloir que je sois ingénieuse. Alors, c'est si je trouve pas Rutabaga. Mais voilà, donc au pire, je prendrai Rutabaga pour l'entrée et le plat et peut-être la rhubarbe pour le dessert. Ouais. Ouais, d'où mon rhubarbe en salé. Bon. Alors, les fraises, c'est bon. Je regarde juste le crumble. Hop, on va être bon, je pense. Ouais. Encore un petit peu. Ouais. Encore un petit peu. Hop, 5 minutes, je pense. Et après, ça sera bon. Ok. Et on y va pour le roulage. Allez, go. Donc vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai peur que ça crame. J'ai mis une feuille de basilic, je vais peut-être en mettre. Bon, je vais laisser. Ouais, peut-être une deuxième quand même. Voilà, donc on va laisser compoter et du coup on passe au roulage. Donc pour rouler vos maquis, vous aurez besoin de ce joli tapis. Et pour éviter que les petits grains rentrent à l'intérieur, donc vous pouvez mettre, donc vous mettez en fait la partie qui roule vers vous. J'y vais. Voilà, la partie qui roule, vous la mettez vers vous. Attendez. Ah, plus de place. J'ai jamais vu quelqu'un être. Ouais, pour la rhubarbe, t'as vu? C'est trop bon. Salé et sucré pour les gourmands. Ouais, mais les tartes à la rhubarbe, j'ai un souvenir d'enfance, c'était juste trop bon. Il faudrait que je réussisse à la. Mais bon, elle sera, le souvenir d'enfance, je pense que c'est pas Elfie. Donc, du coup, alors moi je vais essayer de faire Elfie, donc on verra si on arrive à obtenir quelque chose d'aussi bon. Mais ouais, grave, le kiff, grave. Donc, papier sulfu. Donc, pour monter, donc vous allez voir, il faut que vous preniez un petit bol d'eau à côté de vous, parce que ça colle vite aux mains. Et que vous ayez un torchon pour rincer, vous allez voir. Hop. Donc c'est ça le truc qui est un petit peu embêtant. Donc on va commencer par le maquis. Et franchement, si vous avez une soirée avec des potes et tout, vous faites ça, c'est juste, c'est pas compliqué. Et après ils disent waouh. Voilà. Donc la feuille d'ail. On part, donc moi j'ai. Je la prends pas en entière parce que. Quand ça roule en fait, quand elle est trop grande, après ça fait des doubles. Enfin les rouleaux ils sont pas jolis. Donc moi j'ai mon truc spécial, c'est-à-dire que. Je sais pas si vous voyez, il y a différents traits. En fait j'enlève juste un trait et demi. J'enlève cette partie-là et après je sais que mon maquis il est nickel. Quand je vais le rouler en fait il va pas rentrer à l'intérieur. Voilà, donc du coup on fait. Je vais en couper deux. Parce qu'on va faire un maquis et un californien. Et peut-être un troisième si on reste joli. Alors attendez. Voilà. Donc du coup ça vous le gardez. Hein. Le paquet en fait, donc je sais pas, en France on dit qu'on ne peut pas le garder, mais nous la dame qui nous avait donné le cours nous avait dit qu'une fois que le paquet est ouvert, en fait votre feuille d'ail, vous pouvez la garder comme vous voulez. Mais au frigo. Ok. Donc on met la feuille d'algue, on va prendre un petit bol. Donc là c'est pour rincer vos petits doigts. Et on va prendre notre riz, concombre. Et c'est parti. Hop, 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 hop. Voilà, donc on a tous nos ingrédients. Il nous manque le saumon, donc on va prendre le saumon. Saumon, celle-là. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, donc du coup on a coupé du saumon en tranches, en fines tranches pour les maquis et les californiens. Et ça c'est pour faire les sushis. Donc il y aura 4-5 sushis et après le reste on prend en sashimi. Donc sashimi c'est juste du poisson cru qui est coupé. Hop. Ok, donc là je garde mon torchon à côté de moi, je vais mettre le saumon ici. Super hein, quand on n'a pas de plan de travail, hop là.
Allez, on part. Donc là, du coup, il faut que vous trempiez vos mains. En fait, vous mouillez vos mains et pour attraper le riz. C'est atelier collage et coloriage. Ouais, c'est clair, hein? Il y a des belles couleurs, hein? Il y a le... Ouais. Alors, du coup... Bon, j'ai mis sur le chausson, c'est pas grave. Alors là, le but pour maquis, c'est que vous allez mettre, en fait, on va mettre du riz sur toute... je sais pas si on voit bien. Ouais, peut-être que je fasse comme ça. Maintenant, si j'arrive pas à rouler. Donc là, il faut que vous mettiez du riz sur toute la feuille. Vous vous écrasez pas avec vos doigts pour que le riz reste en entier. Hop. Vous n'hésitez pas à mouiller. Et donc là, on va remplir toute la feuille. Voilà. Et vous faites un... Alors, pas trop épais, parce que sinon, quand vous allez rouler, en fait, le maquis, il va pas réussir à bien se tenir. Donc, on fait juste à peu près une petite couche, une couche de riz. Donc, vous poussez avec vos petits doigts. Hop là. Comme ça, du coup, ça fait juste une couche de riz. Et le maquis, il n'est pas blindé, parce qu'après, quand il est blindé de riz, c'est pas bon, quoi. Il vaut mieux qu'il soit blindé d'ingrédients, de ce que vous aimez. Voilà, donc les veggies, hein, bah, veggies on peut mettre, hop, veggies. On met que du concombre ou n'importe quel légume. Hein. Hop. Donc là, on est dans le truc technique. Voilà, donc allez bien jusqu'au bord, parce que généralement, si vous n'allez pas jusqu'au bord, en fait, on coupe les bords et on perd un petit peu. Donc c'est dommage, donc allez jusqu'au bord, comme ça, en fait, vous gardez tout. Voilà. Ok, donc là je me rince les mains. Je constate que... Arrêtez! Ah oui, ils sont tous fermés. Bon bah écoutez, non, il y en a un qui n'est pas fermé. Lui. C'est bon, je l'ai fermé. Alors, attendez, je me suis foutu du riz collant dans mon chausson. Je l'enlève. Voilà. Pas très agréable. Ok, j'ai juste récupéré le crumble. Et ma compotée, on est bien là. Ouais, je vais remettre juste encore un petit peu d'eau. Ok, donc bah non, bah, je vais utiliser le mixeur alors, j'ai pas pensé. Ah. Ok, le crumble c'est bon. Donc s'il est un peu foncé, c'est parce que c'est du sucre complet. Hein. C'est pas... Voilà, très bien. Donc j'éteins mon four, c'est bon. Je vais le laisser refroidir comme ça après on mettra dans notre petit dessert. Voilà, donc là en fait on a mis le riz. Maintenant on va mettre les ingrédients. Concombre. Je te sens moyennement en sécurité. Avec le four, hein, tu m'étonnes. Alors on y va pour concombre. Donc là je recoupe un petit bout. On va mettre l'avocat. Voilà, donc là les ingrédients ils vont être beaux. Hein. Ça, quand on le fait à la maison, franchement, ça revient pas cher. Et là, vous avez vraiment des beaux trucs plutôt qu'à aller chez Jap. Du coup, je prends mon saumon. Voilà, donc là, maintenant, c'est la technique du roulage. Donc, normalement, j'avais la caméra au-dessus de mes mains. Mais là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais essayer de vous montrer quand même. Du coup, vous le mettez vers vous. Vous tirez le. Comment on appelle ça? Le papier film, hop, vous le tenez dans votre main. Et en fait, les ingrédients, il faut que vous les mettiez à un tiers. Un tiers. Et au moment de rouler, il faut que vous les teniez dans votre main. Donc là, je vais les tenir. Hop. Là, on arrive au premier. On arrive là, on serre un petit peu. Et on continue, en fait, à rouler en tenant, attention, le papier film dans sa main. Pour éviter qu'il rentre dans le maquis. Voilà, donc là on appuie avec ses doigts. C'est bon, ouais, on est bon. Ok, et après on continue de rouler. Et normalement après c'est bon, il est prêt. Voilà, donc là du coup il est prêt. Donc je laisse dans papier film pour l'instant. Je vais le mettre au frigo le temps de faire les autres. Et ça fait des chocs. Ah attends, je te... salade d'oignon, tomate, sauce blanche pour le mien. Pour là-dedans, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, pourquoi pas, grave. En plus, c'est veggie, hein. Veggie à mort. Et pas des chocs à pique. Non, pas dedans, les chocs à pique. Non. Du coup, je le mets au frais. Donc là, en fait, ça, c'est le maquis. C'est quand il a la feuille à l'extérieur. Et maintenant, on va faire le californien. Le californien, le californien. Alors, il faut que vous sachiez aussi que vous pouvez pas faire ça longtemps à l'avance. Vous pouvez pas préparer la veille le maquis et le californien.
parce que le riz va sécher. Donc en fait, si vous voulez vraiment faire un repas japonais le soir, il faut que vous le fassiez dans la journée. Vous pouvez aller à la rigueur mettre 3-4 heures au frais, mais vous oubliez surtout pas de sortir une demi-heure avant, avant de servir en fait, une demi-heure pour que le riz redevienne à température ambiante, qu'il soit moins dur en fait. C'est sur le pouce ça. Ouais, tu m'étonnes. Alors, donc vous allez voir que pour le californien, il n'y a rien de compliqué. C'est exactement la même chose. Et là-bas aussi, ils mettent des œufs de saumon, ils mangent des huîtres, ils mettent du poulet, du canard en fait. Là, c'est sur sushi que je. Ouais, quand on sera au sushi, je vous dirai. Et pareil, dans le californien, vous mettez ce que vous voulez. Donc, on repart avec la feuille d'algue. Hein? Donc, vous prenez. Voilà. Il y a un côté qui est lisse. Là, on s'en fout, vu que c'est à l'intérieur, on n'en a rien à faire. Mais du coup, j'ai oublié de vous le dire pour avant pour le maquis. En fait, le côté lisse, il faut qu'il soit à l'extérieur pour que ce soit joli. Et vous prenez le côté un peu rêche vers vous. Ok, donc là, on est parti pour. Voilà. C'est vraiment pas. C'est compliqué. Voilà. Ok. Donc, je remouille mes petits doigts. Mon riz, il était là. Donc, pareil, on va refaire exactement la même chose. Donc, on étale bien. On pousse et on n'écrase pas le riz surtout. Donc désolé, là c'est concentration, concentration, on est bon. On est juste la compléter. Voilà. Ok, donc là c'est donc là ce qui va être différent avec les autres. Simon vient pas tout ça. Ah, attends. T'as ta réponse. Ah non mais je remonte le chat. Combien de temps on ferait avant dégustation? Avant dégustation, tu parles pour là maintenant ou en règle générale? Tu peux 3-4 heures. Allez, 3-4 heures, ça va. 3-4 heures, mais la veille pour le lendemain, c'est mort en fait. Enfin, ça sera pas bon. Ou c'est là maintenant? Combien de temps pour la dégustation? Alors, attends. Ok, bon bah très bien, au moins 3 heures. Si, si, mais attends, là en fait, tu peux le manger direct, hein. Non, non, ouais, donc là j'ai mal répondu. Du coup, tu prépares et tu peux manger direct. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, si tu veux préparer à l'avance, par exemple, si tu reçois du monde et que tu veux faire plusieurs rouleaux, voilà, pour ne pas les faire bah, juste avant qu'ils arrivent, là, du coup, tu peux les laisser max 3-4 heures au frais. Et surtout, ne pas oublier de sortir une demi-heure, voire une heure avant. Ouais, plutôt une demi-heure, comme il y a du saumon et tout. Les sushis, les makis, tout ça, pour que ça revienne un petit peu à température. Donc là, ce qui va changer en fait, c'est qu'on va juste. Donc on va prendre un deuxième papier cellophane pour le californien. Voilà. Et on va venir en fait tout simplement retourner notre feuille d'algue comme une crêpe. Voilà. Du coup, on va se retrouver de ce côté-là. Et c'est là où on va mettre nos ingrédients. Donc on repart pour le concombre ou ce que vous voulez. Voilà. On repart pour l'avocat. Donc là, ça fait vraiment des beaux, beaux morceaux. Hop. Mais ouais, dès que tu les fais, tu peux les manger. Je suis trop en retard sur le chat, au secours, attendez. Au pire, c'est ça, loup. Ouais, voilà, c'est ça, on sort le BBQ. Hein. Alors maintenant, vous mettez votre saumon. Donc là, vous pouvez prendre des belles tranches. Hein. Et du coup, en fait, voilà, pour 4 rouleaux, ça va vous coûter à peu près, allez, 4 rouleaux, ça fait 32 pièces. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, un pavé, c'est 4 euros, 4. Bah, il y a les feuilles. Ouais, c'est vrai qu'il y a les feuilles aussi en plus, mais bon, c'est 2. Ouais, c'est peut-être tous les petits ustensiles à avoir à côté, mais une fois que vous les avez, franchement, c'est un truc qui revient, mais super pas cher, quoi. Et au lieu de dépenser 20 euros chez le Jap, bah, achetez-vous les ustensiles et vous les faites, vous. Ok, et du coup, et vous me postez vos productions sur Instagram. donc là en fait, le même principe que tout à l'heure, il faut que vous teniez vos aliments pour pas qu'ils se barrent en fait, pour que le roulage il soit joli. Hop, vous tenez la feuille, le tapis. Hop là.
le tapis comme ça, et l'autre, le papier fût dans l'autre main, et là vous pressez un petit peu pour bien serrer les aliments, et ensuite on roule. Là, j'ai pas assez serré. Voilà. Et après, on roule. Alors, n'appuyez pas trop. En fait, il faut juste appuyer un petit peu de manière à avoir la forme. Et après, en fait, ça, vous pouvez le faire même la forme carrée. Là, du coup, vous appuyez en forme carrée, vous aurez en forme carrée. Donc, du coup, ça donne ça. Ah, bah voilà. Hop, il s'est mis un petit peu à l'intérieur. C'est pas grave, je le ressors. On va venir mettre le sésame. Hop là. Alors, sésame, c'est parti. Il est où? Il est là. Alors, on va mettre un petit peu. Donc, vous prenez comme vous voulez le sésame noir, marron. Hop là. Celui-là, il est grillé déjà. Donc, du coup, il donne un petit goût. Pour en mettre un petit peu partout, hop, vous tournez. Et voilà, c'est prêt. Et surtout, n'appuyez pas pour pas que le sésame rentre à l'intérieur. Non, on veut juste qu'il soit bien à l'extérieur et qu'il soit joli. Si vous appuyez trop quand vous roulez, lol, l'éponge carrée. Bah oui, si tu veux un carré, ouais. Si vous appuyez trop, en fait, ça rentre à l'intérieur et c'est pas joli. Voilà, du coup, ça c'est le californien, il est prêt. Vous avez vu, ça prend pas longtemps. On va faire les sushis. Donc là, j'ai plus besoin de ça. Hop. Et en plus, il est propre. Alors, les sushis. Sushis, on va prendre une assiette. J'ai même pas un plateau, un joli plateau. Est-ce que j'ai un plateau? Ah oui, j'ai un plateau. On va faire ça. Comme ça, on va tout mettre dedans. Ce sera un petit peu plus joli. Sushi, donc vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Ouais, un plateau qui tient pas des masses. Hein. Gastro qui perd 40 ans d'âge d'un coup. Bob l'éponge. Bah, c'est une référence, Bob l'éponge. Hein. Du coup, attendez, je récupère mes petits trucs parce que là, j'ai des petits bouts. Hop, ça, je mets là. Hop. Donc, les sushis. Bah, non, bah, mon riz, j'en ai besoin. Hop. On y va. Je mouille mes mains, donc vous gardez toujours votre eau à côté de vous. Donc vous prenez juste, hop, l'équivalent. Vous allez voir, à la pesée, ça fait à peu près 10 grammes. Donc si vous voulez des beaux sushis, voilà, vous faites juste la forme avec vos doigts. Ouais, je lis trop vite, hein? Cool, hein? Ah non, je lis trop vite en retard les messages, mince, je suis désolée. Ok, donc du coup. Voilà, donc juste avec vos doigts, en fait, vous formez votre sushi et vous prenez votre saumon. Il y en a qui mettent directement le wasabi ici. Moi, je le mettrai dans la sauce, en fait. Et en fait, vous déposez votre feuille de saumon, votre feuille hein, de saumon, votre bout de saumon, voilà. Et hop, c'est parti. Donc, comme on vient de couper les californiens et les makis, parce que là, en fait, petite astuce, il faut absolument que votre couteau il soit chaud pour quand à la découpe, ça se désolidarise pas. T'es gentil. Non, j'essaye de faire les deux et tout. Là, hop. Donc là, deuxième sushi. Donc c'est pareil. Et en fonction de la taille de votre poisson, vous pouvez ajuster la taille. Oui, la taille de votre sushi. Parce que là, par exemple, le morceau, il est un peu. Ah bah non, il passe. Voilà. Si c'est trop grand, en fait, vous en mettez un petit bout et puis voilà. Comme ça, il est bien recouvert. Voilà, ça fait des beaux sushis. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui aiment les sushis? Est-ce que vous aimez les sushis ou pas? Mais je crois que vous m'aviez dit, ouais. D'où je crois que c'était bon. Gastro. Cafard. Bigfoot, je sais pas, ouais. Zephyr, je sais pas s'il est encore là. Ok, donc du coup, voilà, vous le recouvrez bien. Donc là, ça nous fait 4 beaux sushis. Donc je mouille pas tout le temps l'eau, hein. Vous vous rendrez compte, enfin, si vous le faites. Et je crois que. Ah ouais, mais grave, ok. Donc, vous vous rendrez compte quand vous le faites que si ça colle pas, en fait, vous n'avez pas besoin de remettre d'eau. Tant que ça colle pas, c'est bon. On est bon. Du coup, on reprend nos petits bouts. Alors, il y avait des petits bouts qui étaient très fins. Ceux-là, je vais les mettre pour en sashimi. Voilà. Plutôt avoir les gros bouts sur le sushi et sur le sashimi. Hop, et sashimi fin. Ok, donc ça va venir en sashimi. Il y a des petits bouts là qui sont un peu. Ouais. Donc, ça, du coup, aussi, ça va venir en sashimi. Ok, bah lui, il veut pas. Donc, du coup, il va rester là. Là, on peut faire. Allez, je vais faire encore deux sushis.
Donc j'ai pas remouillé pour l'instant, c'est bon, ça colle pas trop. Bah c'est pareil, hein, je vais avoir mangé pour ce midi ce soir, en fait. Ok, allez, encore un. Un sushi. Ok, donc on va être bon. Bah, tout ce qui va rester, écoutez, bah, soit vous le faites en petit tartare avec du concombre et avec les petits restes en fait. Là, tartare, concombre, saumon. Sinon, vous faites en apéritif. Ah, vous mettez la sauce soja et hop. Donc, du coup, ça devient sashimi. Je voulais faire un petit teint joli, mais ça va pas le faire. Hop. Bon, le petit teint, il sera là à côté. Désolée, c'est pas très beau, hein. Non, c'est vraiment pas beau du tout, même. Allez. Pareil, je vais laisser dans l'assiette. Ouais. Pas beau du tout. Ok, on va les faire plutôt comme ça. La peau noire ici, donc il y en a qui n'aiment pas. Vous la gardez, hein, ça se mange. Hein. C'est tout à fait normal. Alors, est-ce qu'il y en a un autre qui est joli? Voilà, on va garder ça. Voilà, juste histoire d'avoir un beau plateau. Donc je suis désolée, là je viens de maquiller ton préféré. Ah merci, ouais, maquiller ton préféré pour toi. Ouais, le thon, c'est juste. Ouais, c'est trop bon, ouais, grave. Saumon, ouais, saumon. Jette-le au plafond si ça tombe, c'est bon là. Il est con. Ah, d'accord, ok, bon bah c'est cool, cafard. Bon, ça va, donc le menu aujourd'hui, il était pas. Je suis pas trop à côté. Ouais, toujours, là, juste sashimi que j'aime pas. Ouais, sashimi, c'est vrai que, en fait, si t'es. Ouais, le fait que ce soit accompagné avec du riz, c'est mieux pour. Ouais, je suis d'accord. On peut le donner au chat aussi. Ouais, le chat, il aime bien le saumon. Du coup, j'ai mis un petit peu de côté pour lui tout à l'heure. Et ah, faudra qu'on coupe nos chips aussi. Donc du coup j'ai mis les pots, donc merci Doom, au four. Hein, et du coup on va les couper. Je vais les couper pour mettre un petit peu dans le plat. Et là on va les couper nos makino californiens. Et puis on va dresser des plus ramen ou grillade jap. Ah oui, et le bœuf fromage et les petites boules, tu sais, poulet. Oh, ça c'est trop bon. Et j'avais vu pour, tu sais, pour prendre le barbecue, bah c'est un mini. Ils ont un barbecue spécial en fait au Japon pour griller justement ces trucs. Mais ouais, j'ai pas réussi à trouver. Et en France, si j'avais regardé, mais je crois que c'était cher. Mais ouais, je suis d'accord, hein, trop bon, grave. Et les ramen, nous, ça, ouais, ça a bien, comment on dit, reposé là pendant des heures et des heures. Voilà. Trop bon. Ok, du coup ça, bah ça j'en ai plus besoin, je mets dans ma vaisselle. Je vais m'en servir. Voilà. Bien. Alors on va couper lui et on va aller chercher l'autre. Du coup couteau bien chaud. Attendez, tous les petits bouts je vais les récupérer. Je vais les cellophaner. Commence à être le bazar. Je garde mes fraises, je les mets pour après. Cellophané, non. Donc jamais mettre la peau d'un aliment avec. Voilà, on va mettre ça là. Du coup, je n'ai pas de place, je fais juste un petit peu de rangement. Et comme ça, on va voir la découpe. Alors, t'as sorti les spatules pour la tapisserie. Ouais, c'est exactement ça. Bonjour, Doc Boy. Ouais, ça va bien et toi? Alors, du coup, hop, on passe. Couteau hyper chaud. Je vais dire, on a le papier cellophane. Ouais, il faut faire les trucs par étapes. Hein. Voilà, donc ce que je vous disais en fait, c'était de le blinder au fond, de mettre du riz, parce que sinon après on a toujours un petit bout en fait qui reste, et puis bah ouais, enfin généralement ça. Il y a des gens. Ouais, bref. Donc voilà, c'est pour éviter que ce soit bien blindé, comme ça vous avez des beaux morceaux. Ok, donc là on y va pour le californien. Donc couteau bien chaud. Go.
Attends, je suis en train de mettre du sésame sur ma fille. Donc notre cobaye, donc j'étais sur... Et toi du coup, t'aimes bien le japonais ou pas? Ok, bah allez, c'est parti. Hop, je vais mettre là. Donc avec le couteau bien chaud, vous allez voir, en fait, ça tient tout seul. Enfin, quand vous coupez, en fait, ça fait hyper joli. Et s'il n'est pas chaud, en fait, ça va se désolidariser et vous n'aurez pas quelque chose de joli. Donc vous pouvez faire 2-3... couper 2-3 rondelles, mais après, il va falloir le remouiller. Voilà. Donc là, vous avez vu, hein, c'est pas trop serré, le riz, il est bien et tout. Enfin, voilà, donc... Je suis grave. La fille qui s'en va des fleurs, quoi. Non, du coup, j'avais hyper peur pour la cuisson du riz. Et du coup, ça s'est bien passé. Donc là, je remouille. Ça va très bien, merci. T'es en mode chinois. Non, japonais. Ouais, japonais. Non, c'est pas rouleau de printemps. Rouleau de printemps, si, ouais, c'est vrai qu'il y a une époque où j'en faisais. Non, là c'est makis. Donc là, le verre, ça s'appelle, c'est des makis. Donc dedans, il y a du saumon, du concombre et de l'avocat et du riz. Et là, c'est les Californian rolls. En fait, c'est exactement la même chose, mais c'est refait de l'autre côté, dans l'autre sens. Qui vit en Californie. Ouais. Là, j'ai compris la blague. Ah, d'accord. Non, non, t'inquiète pas, Doom. Fais ce que t'as à faire, franchement. Fais ce que t'as à faire. Pas de soucis. Hein. Avec la friteuse en route. Hein. Moi, j'ai toujours pas ma friteuse. Hein. Ah, ça donne envie. Bah, cool. Yes. Et donc, après, en fait, bah, ça se mange avec un petit peu... Enfin, ça se mange... Ouais, tu le trempes dans du soja, la sauce soja, hein, qui est là. Et tu peux l'accompagner de gingembre. Donc moi c'est salé, il y en a beaucoup qui aiment avec la sucrée. Alors sachez que la sucrée n'existe pas du tout au Japon. C'est la salée. Donc c'est vraiment un truc européen aussi la sucrée. Donc ne proposez surtout pas une sucrée à des Japonais. Ok, donc là je termine. Hop. Deux. Bon bah du coup avec un rouleau. Donc voilà, ça fait quand même plutôt des beaux morceaux. Donc avec un rouleau on arrive à... Je vais essayer de faire surtout toute une ligne. Comme ça, ils restent ensemble. Ça fait 2, 4, 6, 8. Ouais, 10 carrément. Donc 10 morceaux fins ou sinon vous en faites 8 plutôt épais. Hop, je vais essayer de faire là. Rentrer là. Allez, on rentre. Du coup, on passe au Californien. Tu es sophistiqué aujourd'hui. Si je... Ah, oh, bonjour, Strikune. J'arrive sur la fin, on est d'accord. Ouais, exactement. Donc là, en fait, on finit les makis. Elle t'a félicité pour ton idée concernant les pots de saumon d'eau. Ah oui, Signor nous explique comment faire. Merci, cafard. Voilà, donc du coup, là, c'est le petit bout qui est un petit peu ragoûtant, c'est pas grave, hein. Hop, vous le mettez de l'autre côté. Et puis, bah, vous présentez le plateau du bon sens. Ok, donc là, deux. Donc je vous montre de plus près. Voilà, donc là c'est pareil en fait, au niveau des ingrédients, pareil, en fait c'est pas trop fermé, enfin pas trop serré et tout. C'est juste, donc quand vous roulez en fait, faut pas serrer un maximum, faut juste mettre une toute petite pression. Et voilà, donc du coup ça donne ça. Donc on va remouiller. Il est midi, qu'est-ce qui te fait dire ça, Strikune, Dana? Ah ouais, c'est Strikune quoi. Bah il est midi, oui c'est vrai que les streams j'ai fini vers les midi, ouais vers les midi, hein. Mais j'en ai fait pas mal, je finissais à midi 45. Mais là du coup, ouais, en fonction de ce qu'il y a au menu, après il nous reste le dessert à monter, hein. Bon ça va pas prendre longtemps, il y a juste la compotée qu'il va falloir que je passe au mixeur, voilà. Voilà. Allez, ça y est, Strike qui commence. T'as pas été bonne la dernière fois. Vous voulez un truc pour assaisonner, regarde la furikake facile et qui aime les saveurs. Furikake, ouais, je vais regarder. Attends, je vais surtout le noter. Hop, ouais, j'ai pas si loin. Ah, attends, je termine ça. Je vais le noter sur mon téléphone. Ouais, je connais pas. C'est la sauce ponzu, je sais pas, j'imagine que tu connais. Hein. Donc il y a la sauce ponzu qui existe aussi, c'est au citron. Bon, on la trouve pas partout, on trouve dans les boutiques spécialisées asiatiques.
Mais ça vous permet de changer en fait les goûts quand on pourra assaisonner. Tu en as fait pour la semaine. Ouais, tu m'étonnes, t'as vu hein. Ouais, c'est pour ça que là on va partir. Ouais, c'est bon, ça suffit quoi. J'ai à manger ce midi, ce soir. Sûrement peut-être demain midi. Reste encore une heure là. J'aime faire la cuisine, c'est tellement satisfaisant le tampon. Ouais, je suis d'accord. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, notre boy. Ah, franchement, complètement d'accord. Tu veux une recette ponzu? Ah oh, oui, je veux la recette ponzu. Attends, faut que je note le fuku. Attends. Je vais noter le furikake parce que du coup, je connais pas. Furikake, et ouais, je veux la recette. Parce que du coup, la ponzu, tu sais, on la trouve pas souvent. Alors, furikake. Ok. Donc il y a l'omelette et furikake japonais maison. Tiens, je connais pas. Le parfait assaisonnement japonais. Et donc eux, ils ont un goût en fait qu'on appelle l'umami. C'est le cinquième goût qui n'est pas connu. Ok, attends, je regarde juste les ingrédients. Je regarderai ça plus tard. Alors attends, je n'ai pas trouvé. Hop. Un condiment utilisé dans la cuisine. Furikake. Alors, hop, c'est trop par MP, Maya, c'est noté. Alors, attends, ok, je regarde en MP. Ok, ouais, ça marche, merci. Merci, cafard. Je te mets, ouais, sur Discord, avec plaisir, ouais, ça marche. Non, je fais un crumble tiramisu fraise. Éclair au chocolat, j'ai jamais testé de faire la pâte à choux, faudrait que je teste. Tu sais faire. Ouais, merci. Poisson sèche d'algues, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ah ouais, donc du coup, on peut se servir de ça. Bon, bah très bien. Ok, nickel. Bah écoutez, voilà. Donc déjà, le plateau pour le saumon. On va juste, ici, je vais enlever. Et je vais couper mes petites chips. Donc j'espère que ça va chipser. Ouais, ça chips de ouf. Ah ouais. Alors du coup, je vais laisser un gros morceau comme ça. Comme pour faire des chips à la machine. Yes. Bon bah ça croustille hein, en tout cas. Hein. Comme ça, rien n'est perdu. Yes. Bon merci Doum. Hein. Moi j'ai, tu sais que j'ai tout le temps. Hein. Et du coup, bah là, non. Ok, on va mettre la cinquième ici. Du coup, je vais mettre le plateau derrière. Là, je vais juste débarrasser. Pour que ça vienne un peu présentable. Voilà. Ça vient là. Ok, ça là. Là. Donc le wasabi. Alors du coup, moi j'ai pris la pâte wasabi, mais si vous allez dans les magasins spécialisés, en fait, vous avez la pâte qui est en poudre et le goût est 10 fois meilleur. Moi j'ai trouvé que ça, en fait, c'était supermarché. Et ouais, en poudre, en fait, vous mettez un petit peu de poudre avec de l'eau et voilà, le wasabi, il est juste meilleur que celui-ci. Et si vous avez la chance de pouvoir acheter là, bah, le condiment wasabi, il faut juste le râper et après vous formez une boule. Mais bon, ça c'est plus rare, je pense que c'est plus au Japon. C'est le concept, ouais, genre, c'est elle qui a fait tout ça après. Oh, bah oui, c'est moi qui l'ai fait. A-t-elle un défaut, juste un sale? Merci Striker. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai Uber Eats dans ma dans ma campagne profonde. Tu m'invites, j'ai faim. Ouais. Non, mais écoutez, bah, très bien. Donc du coup, hop. Après, c'est vrai, quand on aime bien cuisiner et tout, chercher des choses. Bon, je vous mets le plateau ici et on va monter le... Hop. Alors, le plateau, on va le mettre là. Donc là... bah, je vous montre quand même, comme ça vous voyez peut-être de plus proche, de plus près. Donc c'est joli, hein. Donc voilà, donc là vous avez les californiens, les makis, les sashimi, quand ça, bah, on dit que c'est juste le poisson qui est tout seul, et les sushis. Donc les sushis, après vous pouvez le faire avec, vous avez le thon, vous pouvez le faire avec de la dorade, vous pouvez le faire aussi avec, il y a quoi d'autre comme poisson? Le capuri et tout, non? Mais enfin au Japon, voilà, ils font avec plein d'autres poissons. Mais en France, ouais, ils ont un peu plus de mal. Je pense que c'est au niveau des goûts des gens.
Très bien, donc on part. Donc voilà, vous aurez le wasabi pour accompagner. On va le mettre là. Et sauce soja sucrée. T'en fais pour toute la mif ou c'est pour toi? C'est pour moi, mais alors, je pense qu'il y en aura ce midi et il y en aura encore pour ce soir. Hein. Son principal défaut reste de ne jamais fermer les pots. Bon, ça va, tant que c'est ça va, non? La harissa, mais pas avec ça, parce que du coup, en fait, ouais, la harissa, en fait, tu gâcherais le goût de l'espèce de feuille d'algue. Ok, alors on va passer au dressage du dessert. Hop, on est parti. On va mettre ça dans une petite boule. Donc le dessert, vous allez voir, ça va être plutôt simple, hein, donc du coup, c'est bon. Hop, on va mettre ça là-dedans. Bah non, il faut mon mixeur. Attendez. Je vais le mettre là cette fois-ci parce que ah, c'est bon. Donc je ne devais pas l'utiliser, mais la compotée, elle fait pas comme avec la framboise du coup. Donc compotée, j'ai mis de l'eau, des fraises et du basilic. Du coup, je vais peut-être enlever une feuille de basilic, je vais en garder qu'une seule qui va passer hop, au mixeur. Depuis la création de ta chaîne, c'est le repas le plus cher que tu. Non, du tout, c'est pas cher. Avec le pong. Ah, non, ne t'en fais pas pour toute la. Non, ok. Avec le pongola, on peut. Ou c'est un peu. Ouais, avec le pongola, ça risque d'être compliqué. Puis on sait jamais, tu sais, ce qui peut développer en fait. Ce qui peut nous refiler. Non, estrike, c'est pas cher en fait au final. Parce qu'en fait, du coup, bah, le riz, le paquet, tu vois, le paquet, il est où le paquet japonais? C'est 2,50. Après, ce que je disais, en fait, c'est si tu achètes, bon, il y a la sauce soja achetée, le waza et tout. Mais une fois que tu les as à la maison, tu les as à la maison. Et après, tu as juste les feuilles d'algues à acheter. Le riz, il va te durer je sais pas combien de repas. Et voilà, il faut juste que tu achètes le pavé, un avocat et le concombre. Mais c'est vraiment pas cher, en fait. Surtout si vous êtes plusieurs, c'est vraiment, moi, c'est vraiment la recette que je dis. Enfin, au lieu d'acheter de la viande ou des choses comme ça c'est juste nickel, quoi. C'est juste l'entrée pour gastro, bah ouais, tu m'étonnes. Cafard, midi 10, c'est là. J'ai encore vu ta jumelle. T'as vu ma jumelle où? Ah ouais, non, mais franchement, tu es fort sympathique. Merci, Nogboy. Ouais, donc du coup, en fait, il y a beaucoup de monde qui me ressemble, c'est ça? Ah. Ok. Donc du coup, j'ai juste faire ma petite. Ouais, après, j'aurais peut-être pu le garder comme ça, en fait. Hein. Non, bah écoutez, on va juste mixer rapido. Hop. Et on va monter ça dans un petit verre. Donc on va mettre notre crumble. Donc le crumble, on va le mettre en bas. Du coup, est-ce qu'il croustille? Oui, c'est bon, il croustille. Donc je vais le mettre en bas. Bon, il est un peu foncé. Hein. C'est pas. Là, je sais pas que j'ai cramé hein, cette fois-ci. Hein. C'est qu'on l'a fait avec du sucre complet. Bon, il a peut-être chauffé un peu, je vous l'avoue. Ok. Donc on va essayer de faire des étages qui sont visibles. Ah, je sais pas si je mets tout. Non, peut-être juste un petit peu. Ouais. Ok, donc crumble. Ensuite, je vais mettre juste mon coulis. Voilà, mon coulis 13. Oh, ça sent bon. Alors, je récupère mon coulis de fraise. Est-ce que ça va faire des étages? Parce que le coulis. Peut-être mettre des petits morceaux fraîches à l'intérieur, je sais pas. Bon, écoute, on va voir. Coulis, donc il y aura du skyr par-dessus pour apporter le côté protéines. Et puis on décorera avec une petite fraise. Et voilà. Oh, merci, Strike. Mais tu déconnes, mais tu sais, enfin, je crois que je t'avais déjà dit, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que je ressemble à beaucoup de monde en fait. Les gens qui me rencontrent, ils me disent, ah, tu ressembles à. À quelqu'un que je connais et tout. Ouais, j'ai peut-être un petit visage de passe-partout. Voilà, donc après, il y a d'autres façons de le faire et tout, mais je me suis dit que pour un petit dessert voilà, qui prend pas du temps, c'est hyper rafraîchissant. Voilà. On va mettre notre skyr.
et du coup c'est un dessert qui ne fait qui fait pas grossir. Bon, il y a un petit peu de crumble, mais voilà. Et ça reste un dessert qui est plutôt healthy, c'est bien. Je sais pas si je pourrais l'utiliser parce que j'en ai un autre ouvert, je vais le terminer. Sur la photo, j'ai fait blanc. Du coup, il reste un petit peu de jus là, on va le rajouter. Je vais le mettre dans un bol et je vais plutôt le fouetter, comme ça sera beaucoup plus joli que là. Un bol, ici. Voilà, parce que là c'est en morceaux comme ça, donc c'est pas. Donc on va juste le fouetter un petit peu, comme ça on le met bien. Ça devient plus onctueux, ça fait plus joli. Et alors, vous avez goûté les skirs, la texture et tout? Le premier pâtissier à avoir proposé des pâtisseries en verrine est Philippe Contitini. Ah, excellent, je ne savais pas. Je ressemble à rien ni personne, moi. Ouais, ça veut dire que je suis trop contente. Ah, donc c'est Philippe Contitini. Tiens, c'est pareil, je ne savais pas. Nickel. Et c'est joli hein, quand c'est en verrine. Bon là c'est. Ouais, je pense que j'ai pris un gros verre par rapport au truc quoi. Voilà, donc le skyr vous pouvez y aller, franchement au niveau protéines. Donc pour 100 grammes, vous avez à peu près 14 grammes de protéines. Donc c'est hyper hyper bon pour nos petits muscles. Donc nature, c'est hyper bon. Et si vous voulez mettre avec un petit peu de miel, c'est encore meilleur. Voilà, donc du coup. Mais du coup, ça fait pas bien lisse en fait. Ouais, il aurait fallu que je le mette dans un petit verre. Non, ouais, tant pis, c'est pas grave. Là, je vais mettre des petites. Je vais couper mes petites. Mes petites fraises. Et puis voilà, bah écoutez. Donc, du coup, je note rutabaga et rhubarbe. Donc, ça sera. Voilà, je vais regarder. Donc, ouais. Et je vais regarder donc tout ce qui est là ce que vous m'avez donné dans mon téléphone. Au moins tu es unique, tu as ta propre identité. Ah bah tu vois, Doom, ouais, Doom, merci Doom. Il déchire. Tu connais le clip de Walt des Pink Floyd? Moi ça me dit que. Attends, les Pink Floyd, ça me dit quelque chose. Ouais, j'ai vu une petite centaine de fois. Ah bah ça va, vous, en... ouais, vous avez les mêmes goûts, c'est cool. Du coup, je vais couper comme ça. On va faire comme ça. Hop. Hop. Et hop. Bon, après, vous avez. Vous choisissez. Hop, 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 hop. Le crumble, vous pouvez le mettre au-dessus si vous voulez. Voilà. Donc, notre petit dessert est prêt. Donc j'aurais dû le prendre en fait un peu plus petit pour qu'on essaye de voir les couches. Alors je sais pas si on voit les... Non, on voit pas les couches, du coup vous voyez pas. Donc il y a le crumble qui est en bas, donc comme il est rond en fait, bah oui, du coup il fallait que j'en mette plus. Voilà, donc du coup on a notre petit... Ah, peut-être qu'on voit un petit peu de ce côté-là. Ouais, on va... Voilà. Donc vous décidez de comment vous placez le verre quand vous le présentez à la personne. Donc du coup nous avons le petit crumble, la petite compotée, donc le skyr. Hein. Donc là on n'a rien fait de particulier, on a juste mis du yaourt. Et nos petites fraises, du coup ça donne... Hop là, ça donne ça. Je sais pas si on a bien vu. Voilà, bon bah écoutez, voilà. Attendez, je vais juste ranger ça. Je vais faire le petit point vaisselle. Et du coup, ouais, donc ce que je vous disais, c'est quoi cette semaine? Je vais essayer de garder le même programme. Et puis bon, on verra en fonction de si je réussis à pas être trop fatiguée avec la reprise du taf. Donc voilà, donc je garde le sport. Donc mardi, il y a bien sport. Mardi, il y a sport. Et donc le premier menu en cuisine, ça sera mercredi. Donc mercredi midi. Hein. On teste des trucs et généralement le mercredi midi, autant vous dire que je mange pas grand chose parce que j'essaie de tester des trucs, mais c'est pas très bon. Bon après si, enfin j'ai juste des petits trucs à changer quoi. Voilà. Ah, un petit peu de basilic dans la présentation, tu as raison. Attends, ouais, tu as complètement raison. Du coup, j'ai mes petites feuilles là. Ouais. Hop.
Ils ont des pinces à épiler, moi j'ai pas de pinces à épiler. Du coup, c'est bon là, j'ai mis la petite feuille de basilic. Ouais, merci, ça rajoute de la couleur et tout. Hein. je suis maîtresse en CPCE1. Donc, du coup, je reprends le taf demain, mais à distance. Bon, bah, c'est hyper joli. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'est cool. je suis contente que. Hop. Donc, merci pour les follow, X4Croy. Bon, X4Croy, il est parti. Merci pour. Merci Nogboy, oui, pour le follow. Une feuille de menthe du jardin. Ouais. Alors, du coup, ouais, j'irai la chercher un petit peu plus tard. C'est l'idée de Doom. Juste par honnêteté. Mais complètement. Hein. Mais grave. Ah, d'accord, ok. Hein. C'était pas toi qui as fait. Hein. Non, basilic, ouais, fraise basilic. Ouais, comme fraise menthe, ça fonctionne hyper bien, quoi. Bon bah voilà, bah écoutez, voilà, j'espère que vous allez refaire des sushis ou des makis ou des californiens. Donc si vous avez besoin, vous me dites. Hein. Si vous avez besoin de choses. Ouais, sympa, mais très, comment te dire, très très prenant. Heureusement qu'il y a les vacances en fait. Nous, si tu veux, enfin, tout le boulot il est concentré en pouf, en ce qu'on appelle des périodes en fait de vacances à vacances. Donc ouais, là première semaine, je pense que demain, enfin cette semaine, je vais commencer l'âge avec les enfants. Je pense que le confinement, ça doit juste être horrible en fait pour eux. Donc ça va être léger. Donc j'espère pouvoir maintenir mon emploi du temps cette semaine. Et voilà, sinon bah, je modifierai la semaine d'après. Mais en tout cas, voilà, je vous retrouve mardi en fin d'après-midi et mercredi matin. Voilà. Ah, le lien vers mon Discord. Non, c'est pas de tout repos. Je peux te dire que ouais, quand t'as des cas dans la classe, ouh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, il y a des journées qui peuvent être très très difficiles. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère qu'il fera beau chez vous, de votre côté. voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et bah voilà, bon après-midi, bonne soirée. Voilà, bon, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Bon appétit à vous aussi. Ouais, on n'a même pas fait le point. Bon appétit et puis bah merci d'être là, hein, c'est cool, c'est vraiment cool. Ouais, bon dimanche, ça marche. Bon app. Salut. Bisous à tout le monde. Bisous.